Rêve numéro 9, intuition et inception. Nous allons commencer à la 10e minute de cette vidéo. Donc, rendez-vous, si vous regardez en replay cette vidéo, ce live, eh bien, allez directement à la 10e minute. C'est là que les choses vont commencer. J'aurai le plaisir d'inviter vers 21h, c'est-à-dire dans 40 minutes environ, la danseuse et chorégraphe Sandra Aboave qui va nous parler de sa vision du rêve. D'ici là, nous allons partager, nous allons liker, faire marcher les petits moteurs YouTube et j'accueille bien sûr les copilotes, les internautes qui vont être actifs pendant ce live de formation, initiation, le laboratoire du rêve. À tout à l'heure. Bienvenue à tous, je vous vois venir. Rendez-vous dans quelques minutes, ça commence dans quelques minutes. N'hésitez pas à partager, merci les amis. Thank you.
Bienvenue à tous. Salut les amis. Petit point. Salut Dorine, salut Paris, salut Smone. Allez, on partage les amis. On partage partout, on like. Il n'y a pas assez de likes. Et surtout, on partage sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Merci, je compte sur vous, c'est important. Pour faire vivre notre expérience, nous avons besoin du maximum de monde. Merci. On se donne rendez-vous exactement, je vous le dis, dans 3 minutes. À tout à l'heure. Super, Sandra est connectée bien en avance, mais je te vois, il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Salut moi je, Gandalf. Salut les rêveurs. Paris, je vois qu'il est en forme. Alors Paris, il faudra que tu me dises comment je prononce ton prénom. Allez, encore 1 minute 30. Merci Simone d'avoir partagé, retweeté sur Twitter. Merci beaucoup. Parce que je vous vois partager, les amis. Ça me fait chaud au cœur quand vous parlez de notre expérience à vos amis. Et qui nous rejoignent, c'est quand même super sympa. C'est tout le sens du laboratoire Lab Oratoire. Et voilà la 10e minute qui vient de s'écouler, mes amis. Je suis ravi de vous retrouver. Je parle en faisant une petite manœuvre, d'où ma voix un peu robotique. Je reviens à vous tout de suite, instantanément. Voilà, je remets le son. Et nous y voici. Bonsoir les amis, nous sommes le 13 novembre 2020, c'est le 9e épisode du Laboratoire du Rêve. Voilà, je suis ravi de vous retrouver, on a ce rendez-vous tous les vendredis soirs à 20h20
On est dans une traversée de 26 lives et on en est au 9e. Vous voyez un peu, on en est pas encore à mi-parcours, mais bientôt. Alors, le laboratoire du rêve, c'est une réflexion de philosophie directe, mais aussi de formation, car j'ai des choses à vous raconter sur cette notion de rêve pris dans les deux acceptions du terme, le rêve nocturne, et on essaye tous d'essayer, voilà, on essaye tous de rêver de façon lucide, d'avoir conscience lorsque nous rêvons pour peut-être contrôler les rêves nocturnes que nous faisons, nous permettre de beaux paysages, de belles envolées à travers les songes. Et puis le rêve dans l'acception, avoir un rêve dans la vie, l'acception qu'on appelle ambitionnelle, le rêve d'ambition, le rêve de devenir, l'espoir d'une amélioration, l'espoir d'un voyage, cette ferveur qui peut donner du sens à notre vie. Et l'enjeu très simple, hein, après on va aller plus loin, mais l'enjeu très simple de ce laboratoire du rêve, c'est d'articuler ces deux notions du rêve. Est-ce que le fait de rêver la nuit influence nos rêves éveillés? Est-ce que l'espoir se travaille aussi dans les bras de Morphée? Est-ce que le rêve nocturne nourrit le rêve diurne et vice versa? À travers ça, nous invitons des témoins du rêve, on peut les appeler comme ça, ou des passeurs de rêve. Donc on a eu des psychiatres, on a eu des psychanalystes, on a eu des psychologues, bien sûr, mais pas que, on a aussi des artistes, et puis on a aussi des gens qui, comme dirait notre cher président, ne sont rien, et en fait qui pour nous sont des rêveurs, donc sont absolument tout, et qui témoignent de leur vie. C'est parfois très émouvant. Quelle est leur approche du rêve? Donc, c'est très foisonnant, c'est ouvert sur le monde. C'est pour ça que je vous engage encore une fois à partager, à commenter abondamment. Je vais lire vos commentaires. C'est notre petite mise au point de départ. Vers 21h, notre invitée, ce sera une danseuse et chorégraphe, Sandra Aboive, que certains d'entre vous qui ont suivi notre épopée philo-Covid, Sandy Live, parlant de cette crise du Covid-19, ont eu le plaisir de rencontrer déjà Sandra Aboive. Voilà, c'est une complice de création. Elle va nous parler de sa vision du rêve dans son œuvre chorégraphique qui mixe le théâtre, la musique, la voix, le corps dans tous ses éclats. Voilà. Alors, la question rituelle de notre laboratoire du rêve, avant d'aborder l'intuition et l'inception, ce sont les deux concepts du soir. Notre question rituelle, c'est: avez-vous fait de beaux rêves, tout simplement? Où en êtes-vous de votre propre expérience du rêve? Prenons 5 bonnes minutes pour un peu avoir le pouls de tous les copilotes qui sont avec nous. Salut Amélie, je vous vois tous, hein, étoile filante. Voilà, je peux même afficher vos messages, bim. Voilà, les rêveurs, salut Corinne, bonsoir à toi. Est-ce que les chiens... On en a parlé des animaux qui font... rêve lucide, j'imagine pas. Aucun animal, déjà, je pense, enfin, après, il y a des études, mais n'est doué de conscience de soi-même. Hein. Les animaux ont une sensibilité, mais n'ont pas la conscience réflexive. Les singes, certains singes peuvent l'avoir, mais ça dépasse pas une conscience réflexive d'un enfant de 5 ans. Voilà, cette capacité de réfléchir sur ses propres mécanismes de pensée, il faut être doué d'un langage, donc d'un cortex, d'un néocortex, et ça concerne l'être humain. Alors, je sais qu'on est dans une Disneylandisation du rapport aux animaux. C'est très chouette, j'aime beaucoup Walt Disney, mais jusqu'à preuve du contraire, scientifiquement, l'être humain conserve une spécificité qui ne l'autorise en rien à faire du mal à d'autres êtres vivants de façon complètement abusive. Et bien sûr, tout ça, c'est un long, long débat, et on va d'ailleurs le traiter dans d'autres structures de philosophie directe, parce que le débat sur l'animal est absolument passionnant. Voilà, alors, où vous en êtes dans les rêves? Je vois qui, salut Alice, salut Paris, je dis Paris ou Paris, voilà, il faut que tu m'indiques. On en était où? Alors, pendant que vous répondez, hein, où vous en êtes, c'est important chaque semaine que vous puissiez faire un peu, nous faire part de votre travail sur le rêve. Pour ceux qui travaillent, bien sûr, il y en a aussi qui profitent de nos lives pour rêver, pour s'inspirer. Il y en a qui... J'ai des témoignages, hein, notamment en message privé de copilotes qui me disent, voilà, ça m'inspire, je remplis des cahiers, je crée. Il y en a qui, je sais, qui font de la peinture. Je pense à Marion qui m'a écrit.
qui font de la peinture pendant que nous, on philosophe. Voilà, il y en a qui lisent des livres, il y en a qui vérifient tout sur Internet, hein, tout ce qu'on dit, les références, tout ça. Voilà, alors, on en était où ? On en était à réfléchir sur cette notion d'hétérogénéité et d'harmonie. On avait vu qu'il y a un double mouvement du rêve. Le rêve va rendre hétérogène ce qui est unifié et le rêve va rendre unifié ce qui est hétérogène. Je vais avoir des événements hétérogènes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, une sorte de, comment dire, de boîte de jouets, hein, de coffre à jouets totalement disparate, fait de souvenirs, fait de mots, fait d'émotions, ce que j'appelle des logoi. Et le coffre à jouets, c'est notre logobiote. Et bien, dans notre logobiote, nous avons cette disparité et le rêve va tisser des liens, va unifier tout ça. Donc, il va faire de l'hétérogène dans la conscience humaine, de l'homogène, de l'unifié. C'est un des procédés, on va dire, constructeurs, hein, constructifs, si vous préférez, du rêve. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je vais amalgamer dans le rêve des choses un peu sans queue ni tête, qui n'ont pas spécialement de lien, ou des liens très farfelus, et ça, les psychanalystes et d'autres les ont quand même analysés, il y a des liens d'analogie, hein, même de co-résonance des mots, hein, certains mots, c'est pour ça qu'on rêve dans un langage donné, on rêve dans un langage, car il y a beaucoup de jeux de mots, de jeux de langage sur les sonorités, on rêve dans une culture donnée, c'est important. Je vous renvoie à la dernière vidéo PhiloZoom, où j'analyse His House, un film de Rémi Wickes qui sort là sur les plateformes, et je montre comment il est question de sorcellerie, il est question de magie dans ce film. J'apporte un peu, un point de vue anthropologue et enfin le point de vue des anthropologues et des ethnologues, Georges de Vereux, François Laplantine, et j'en cite d'autres. Eh bien, il est très intéressant de voir que dans la magie, dans les rituels, chaque croyance est indexée sur un socle commun. Vous ne pouvez pas être hanté si vous ne partagez pas la culture de celui qui vous hante. Hein, l'idée que tout d'un coup, quelqu'un va vous jeter un sort alors que vous êtes complètement étranger à sa culture, ça ne fonctionne pas. En revanche, si logobiotiquement, vous partagez les mêmes logoi, dans votre coffre à jouets, vous avez des souvenirs en commun, un langage commun et des mythologies communes, des croyances communes, une religion commune, c'est le cas dans His House de la religion des Dinka, un peuple sud-soudanais, eh bien là, du coup, vous pouvez avoir des interférences logobiotiques et dans les rêves. Ça, c'est vraiment important de voir que cette puissance d'unification du rêve, c'est ce qui permet la culture, c'est ce qui permet, comment dire, à la culture un certain efficace, on dirait en philosophie. Le rêve est consolidateur, ou d'heure, je ne sais plus, de culture. La culture s'expérimente sur le rêve. Je vais tisser grâce à la culture que j'ai, grâce au langage que j'ai, grâce aux expériences. On peut penser qu'un peuple partage des expériences un peu communes. Nous partageons tous l'expérience Covid. Nous avons des choses en commun. Nous partageons tous l'expérience française. Nous partageons tous des événements qui nous frappent nationalement, etc. Eh bien, ça crée un socle commun. Et donc, quelque part, nous rêvons tous avec beaucoup de logoi en commun. Klemperer a analysé ça dans la langue du Troisième Reich, et puis d'autres ont fait des études sur les rêves des Allemands pendant la montée du fascisme dans les années 30. C'est intéressant de voir que, évidemment, les rêves se colorent de ce que l'on digère dans notre vie et dans notre partage de vie quotidien. Et ce qui est évidemment fascinant, c'est qu'on voit que le rêve est une digestion culturelle, on va dire logobiotique, une digestion du vécu, des événements vécus, ça on l'a vu dans les épisodes précédents. Nous vivons tous des événements, nous allons les digérer et nous utilisons notre culture comme une sorte d'enzyme pour tisser des liens dans l'hétérogénéité des événements qui nous touchent. Voilà. Ça, c'est une grande activité du rêve. Je crois que c'est assez clair maintenant, on va devoir aller plus loin. Et ce soir, je vous propose d'aller beaucoup plus loin que ça, mais il faut que ça soit acquis. Le deuxième pan du rêve, la deuxième activité du rêve est exactement l'inverse. C'est tout le paradoxe du rêve qui a été analysé depuis Platon, Aristote, jusqu'au scepticisme. Vous savez que les sceptiques utilisent l'argument du rêve pour montrer qu'on ne peut jamais connaître, hein, pour montrer les limites de la connaissance humaine. Les sceptiques veulent montrer qu'aucune vérité n'est atteignable du point de vue de la conscience humaine. Et donc l'argument du rêve vient toujours
s'immiscer dans un raisonnement pour dire « et si c'était un rêve, rien ne nous prouve que nous ne vivons pas un rêve. La preuve, c'est que lorsque je rêve, je prends mon rêve pour la réalité. » Et du coup, ça permet aux sceptiques d'effondrer toutes les connaissances les connaissances apparemment sûres, jusqu'aux connaissances mathématiques, etc. Ils vont très très loin, les sceptiques. Donc, ça a été bien sûr repris par Descartes. Vous savez que Descartes a trouvé sa vocation philosophique en ayant trois rêves, hein, trois grands rêves qui ont décidé de sa vocation. Et Descartes est quelqu'un qui, bien avant la psychanalyse, s'est penché intensément sur le rêve. Hein, il a compris qu'il y avait du sens caché dans les rêves, il a compris que se jouait dans le rêve des enjeux. Mais Descartes utilise aussi le rêve du point de vue méthodologique pour essayer de tout remettre en question dans son doute. Il faut douter de tout, et donc l'argument du rêve sceptique se réinvite. Sauf que ce qui gêne Descartes, c'est que les vérités mathématiques dans les rêves demeurent indubitables. On ne rêve jamais que 2 plus 2 égale 5, si vous voulez. Et donc, il a besoin de pousser le doute encore plus loin que le rêve. Et là, il va inventer le malin génie ou la folie, hein, d'autres hypothèses de pensée. Imaginons un malin génie qui me trompe même quand je dis 2 plus 2 égale 4. Ça lui permet de remettre en question les vérités mathématiques. Donc, c'est encore plus puissant que le rêve, il y a le malin génie. Et puis, on s'en sort, vous connaissez bien sûr, avec le cogito. Même si je pense que 2 plus 2 égale 5, ou que je ne sais pas à combien font 2 plus 2 parce qu'on m'abuse, eh bien, il n'empêche que je suis en train de penser quand je pense à ça. Si je pense, je ne suis pas le néant n'a aucune propriété. Or, moi, je pense, penser est une propriété de mon être, donc mon être existe. Voilà. Même si je pense qu'on me trompe, il n'empêche que je pense, donc je suis. Hein. Voilà, petit résumé au pas de course, parce que ce sont vos messages qui m'intéressent. Le rêve, donc deuxième pan du rêve, va prendre des unités, des certitudes, et va les effriter, va les émietter. Et donc le rêve va fissurer mes croyances, va remettre en doute la connaissance des êtres chers qui m'entourent. Je crois connaître tel lien, et tout d'un coup, cet individu m'apparaît de façon très étrange dans un rêve. Et du coup, cette unité psychologique que je mettais sur ma mère, sur Sébastien ou sur Jean-Paul, eh bien, je vais évidemment douter fortement de leur identité. Le rêve va remettre de l'hétérogénéité dans l'homogène et va remettre de l'homogène dans l'hétérogénéité. Voilà un peu les deux trucs. Si vous voulez, le rêve transforme le chaos en ordre et le rêve transforme l'ordre en chaos. On est bon avec ça. Allez, je lis un peu vos messages. Où en êtes-vous dans le rêve ? La conscience ne se résume pas à l'acception humaine. Un animal a conscience de lui-même quand il se reconnaît dans un miroir ou pas ? Non, ça peut l'amuser, mais non, justement pas. Justement pas, l'animal ne se reconnaît. Par définition, l'animal n'est pas capable de se reconnaître lui-même comme un personnage détaché de son instinct. Hein. Voilà. Je sais que ça peut choquer les Disneylandisés que nous sommes. Un célèbre magnifique invité de la semaine dernière. Oui, c'était très émouvant. On a eu un très beau témoignage la semaine dernière de Caroline. Je vous renvoie, la vidéo est toujours dans la playlist Le Laboratoire du Rêve. Allez regarder les épisodes précédents, les amis. Je rattrape mon retard, mes amis. Voilà, Paris, Walt Disney, c'est beau, mais nocif à long terme. Je regarde un peu où vous en êtes. C'est très jungien, faut me dire quoi exactement. Salut Eva. Salut, salut les petits scarabées. Alors, lorsque je suis dans le monde physique aussi, je prends ce que je perçois et ce que j'analyse comme la réalité, alors que je suis guidé par mes émotions, tout à fait. Les événements dans mes rêves n'intensifient pas mon réel. Les événements dans mes rêves n'intensifient pas mon réel. Au contraire, les scènes chocs viennent relativiser mes tracas, les scènes chocs. C'est très intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, des études récentes ont montré, Alice, que les gens ils ont testé au moins 300 personnes, ils ont analysé que ceux qui regardaient souvent des films d'horreur, des films absolument atroces, de pandémie, d'horreur, de zombies, eh bien, étaient plus résilients face à la dépression de la crise du Covid-19. Car habitués à des films absolument violents, aux sentiments paroxystiques d'angoisse, à cette envie de fuir. Et donc, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire que les films d'épouvante lèsent
la psychologie de quelqu'un. Mais en fait, ça habitue logobiotiquement. On peut dire que les films d'épouvante ont des logoi, des enzymes, si vous voulez, intellectuelles, hein, ou émotionnelles. Les films d'horreur ont des logoi, et donc on peut s'imbiber de logoi pour mettre à distance, c'est-à-dire essayer de bien vivre autant que faire se peut, hein, juste dans une crise Covid-19. Voilà, c'est très intéressant. Est-ce que ça fonctionne parce qu'on se dit finalement c'est pas pire que dans un film d'épouvante, donc par comparaison je juge que le présent est satisfaisant car j'ai une fiction absolument atroce de zombies à chaque étage? Est-ce que c'est au contraire en moi-même que j'expérimente des émotions que la vie ne me donne pas, et du coup ces émotions et ces narrations font partie de mon logobiote et ça me donne comme un vaccin psychique, on va dire, un vaccin psychique. Voilà, alors ça, c'est pas encore tranché, mais c'est assez intéressant. Je rappelle d'ailleurs que c'est l'argument de la continuité chez Descartes qui fait qu'il fait la différence entre le rêve et la réalité. C'est quand même assez intéressant. Il écrit à la princesse Elisabeth, je crois que c'est le 1er septembre. Allez, je vous fais un coup comme ça. 1645, voilà. Je n'ai pas de notes, hein. C'est vraiment de mémoire, donc vérifiez. C'est la lettre à Elisabeth du 1er septembre 1645. En fait, il montre son rapport au rêve, et il montre qu'analyser les rêves, c'est passionnant, et son but, c'est d'arriver au rêve lucide. Descartes, il ne l'appelle pas comme ça, mais Descartes, très clairement, pose l'idée qu'il peut rêver et il peut analyser son rêve pendant le rêve, ça vous est peut-être déjà arrivé, ce n'est pas un rêve lucide. J'ai fait un rêve comme ça hier soir. J'ai rêvé, je ne vais pas vous raconter si ça ne vous intéresse pas, mais j'ai rêvé que j'étais dans un scénario de film et donc que ce que je vivais n'était pas réellement la réalité, comme on peut confondre souvent dans un rêve. Je savais que ce que je vivais appartenait à un scénario et j'engueulais les scénaristes. Vous voyez, donc il y a déjà une sorte de décollage, de distance prise par rapport à la croyance que ce que je vis dans le rêve est réel. Et Descartes va montrer la différence. D'ailleurs, Pascal reprendra ça. Hein. Pascal, lui, il va reprendre l'argument du rêve, mais Pascal va y mettre une sorte d'apologie de la religion chrétienne pour montrer la misère de nos bonheurs. Pour Pascal, entre un bonheur illusoire et un bonheur réel, il n'y a pas de différence. Ça prouve bien que nous sommes complètement nuls, hein, les humains. Tout Pascal consiste à dire que nous sommes nuls. Dans nos jeux, nous sommes nuls. Dans nos bonheurs, nous sommes nuls. Dans notre avidité au gain, nous sommes nuls. En fait, nous sommes tout le temps nuls, sauf si on croit en Dieu. Hein. C'est quand même ça, Pascal. C'est un peu la limite de Pascal, même si c'est très bien écrit et très savoureux à lire. Je vous recommande de lire ses pensées, hein, sous forme d'aphorisme comme ça. Mais Pascal, c'est quand même une apologétique. Hein, c'est-à-dire, il s'agit de montrer que sans Dieu, sans la foi, eh bien, on passe à côté de la vie et voilà. Tout simplement. Il faut toujours garder ça à l'esprit quand on lit Pascal, c'est vraiment une démonstration qui converge vers la foi chrétienne. Et donc Pascal va reprendre la notion du rêve en disant, regardez, vous êtes heureux dans un rêve, vous êtes heureux dans la vie, en fait c'est le même bonheur qui est un sous-bonheur par rapport à la foi véritable, par rapport à l'idée d'accepter sa misère humaine et de se tourner vers lui, elle majuscule. Hein. Il ne dit pas ça comme ça, bien sûr, il est plus rusé, mais c'est quand même ce qui est dit. Donc, Descartes, pour continuer ce qu'Alice évoque, Descartes va montrer qu'il y a, il y a un problème de continuité. Je vous explique très simplement, je résume vraiment une pensée très riche que je vous invite à lire, hein, bien sûr. Descartes, qui est peut-être un des philosophes français les plus passionnants et les moins bien compris, hein, j'adore Descartes, je lis régulièrement, c'est un philosophe vers lequel je reviens régulièrement. Descartes dit une chose très simple, il dit « Lorsque je vis des états de veille, lorsque je vis des événements à l'état de veille, il y a une continuité entre ces événements. Je vois ma mère hier, je l'ai au téléphone le lendemain, et puis on se promène 4 jours plus tard. Tout ça forme une continuité, même si ce n'est pas la même journée, même si ce n'est pas la même séquence, il y a une continuité logique. Or, dit Descartes, dans le rêve, il n'y a aucune continuité entre mes rêves. » Alors bien sûr, il y en a qui rêvent carrément des scénarios qui forment une saga, mais avouez que c'est quand même très rare. En général, dans un rêve non lucide, vous rêvez d'un truc et puis vous rêvez de quelque chose qui n'a plus rien à voir le lendemain. Voilà. Et c'est l'argument qu'utilise Descartes pour montrer eh bien, que justement, si ça n'a pas de continuité avec ce qui précède, eh bien, nous sommes dans un rêve. C'est ce qui va le sortir de l'idée, de l'hypothèse. Vous connaissez Calderon, hein, « La vie est un songe ». Pascal cite Calderon, hein, explicitement il cite le titre, il ne cite pas l'auteur, mais il dit « La vie est un songe », clairement. Et Descartes, lui, voilà, il sort de cette croyance qui après a été repris en expérience de pensée, notamment par la philosophie américaine,
je vous renvoie à Hilary Putman. Je ne vous en ai pas parlé, décidément, on parle beaucoup philo, là. Et on a besoin, je vous le note, Hilary, alors c'est un homme, hein, Hilary voilà. Donc, philosophe Putnam. Alors, attendez, je vous note comme ça. Donc, c'est un philosophe des États-Unis. C'était une star de Harvard. Informaticien, mathématicien également, qui a été de tous les combats nobles. C'est intéressant d'avoir des parcours. Souvent, là, on est un peu dans la cancel culture. Et donc, on imagine que voilà, tous les philosophes ont des travers, les intellectuels ont tous fauté, on a l'impression. Hein. Ils ont tous été soit antisémites, mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a des personnages qui se tiennent droit tout le temps. Et à mon avis, c'est cela qu'il faut plébisciter, notamment en philosophie. Car, je le rappelle, la philosophie, ce n'est pas simplement écrire des livres. Ça s'appelle être essayiste et intellectuel. La philosophie, c'est une attitude de vie. À un moment, on demande aux philosophes une chose qu'on ne demande pas aux sociologues, à l'ethnologue, à l'anthropologue, et à n'importe quel homme de science, on demande au philosophe d'incarner ce qu'il écrit. Il n'y a qu'aux philosophes qu'on réserve ça. Même le poète peut être excentrique dans sa vie et complètement sage dans ses poèmes ou vice-versa. L'artiste, il peut tout être. Le philosophe, on lui demande d'avoir une cohérence dans sa vie et dans ses écrits. C'est pour ça qu'un philosophe qui est au parti nazi et qui veut être le grand intellectuel du Troisième Reich, eh bien, cette position-là colore son œuvre. Alors évidemment, colore réellement sa pensée. Je fais référence, bien sûr, à Heidegger. Vous connaissez mon point de vue, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est parce qu'il est philosophe qu'on peut juger aussi sa vie et son œuvre corrélativement, c'est-à-dire en créant des corrélations. S'il était mathématicien, on peut être mathématicien et nazi, il n'y a aucun problème. Les vérités mathématiques que l'on trouverait feraient partie de la science mathématique. Mais la philosophie n'est pas une science dure, c'est une attitude, une conception du monde où la vie du philosophe colore son œuvre et vice-versa. Sartre l'avait, par exemple, parfaitement incarné et compris. Voilà. Alors, il peut y avoir de l'imposture, il peut y avoir... on peut bluffer, bien sûr, mais c'est vrai que Rousseau, abandonnant ses 5 enfants et nous écrivant après un magnifique traité de l'éducation, écrivant l'Émile, eh bien, on peut tout à fait dire qu'il y a quelque chose qui bug à ce niveau-là, sans tomber dans une sorte de psychanalyse facile de Rousseau. Ça nous désengage. Alain qui... le philosophe Alain, Émile Chartier, qui nous dit que Hitler, c'est formidable, etc. On a découvert ses écrits. Eh bien, moi, on ne le lit pas de la même façon. Il faut bien sûr être sûr des sources. Heidegger, moi, je ne le lis plus, bien sûr, et c'est devenu carrément un ennemi par ses positions qui sont totalement avérées, absolument désastreuses et d'une sorte de racisme d'extermination métaphysique. Donc, Hilary Putman fait partie des... Voilà, comme Jean Kelevitch en France, comme bien d'autres, hein, comme Cavaillès, comme Bergson. Bergson s'est tenu tout le temps droit dans sa vie. Voilà, de culture juive, converti au catholicisme, mais décidant d'être juif parce que dans les années 40, eh ben, il y a de l'antisémitisme, et il dit je ne veux pas me désolidariser, alors qu'il aurait pu être dans le désaveu de ça. Donc il y a des courages intellectuels qu'il faut souligner, Cavaillès, immense courage. Et Hilary Putman fait partie... Putnam fait partie de ces philosophes-là qui militaient pour les droits civiques des Noirs américains, lui-même n'étant pas noir. C'est un juif athée, grandi dans un milieu athée laïque, et puis qui a décidé de devenir juif sur le tard, enfin d'aborder la pensée juive. Donc c'est un parcours tout à fait original. Et Hilary Putman va évidemment, comme c'est souvent, c'est assez juif comme intellectuellement comme pensée, de questionner le réel, la réalité. Etiamble le dira de façon un peu péjorative, il dira le juif à la caboche philosophique, il est carrément fait pour talmuder le monde et remettre tout en question, y compris sa propre réalité. Bien sûr, ce n'est pas une spécificité juive, mais c'est une spécificité des cultures qui nous apprennent à interpréter et à réinterpréter l'interprétation de l'interprétation. Voilà. Et évidemment, ça prédispose à une certaine philosophie de la science, de l'épistémologie, enfin une remise en cause même de la réalité. Donc, je vous renvoie à ce philosophe que j'apprécie énormément, qui est hélas pas beaucoup traduit en français, pas beaucoup connu, voire carrément inconnu en France. Voilà, moi, je lis ses ouvrages en anglais et c'est absolument passionnant d'aborder les thèses. Il a fait beaucoup de... Comment dire? Il y a des hypothèses de pensée extrêmement intéressantes. Je vous renvoie à l'hypothèse de la Terre jumelle. Je vous renvoie à l'hypothèse de la cuve et autres. Voilà, donc,
Cette idée de continuité rêve-réalité est une grande préoccupation de la philosophie, notamment anglo-saxonne, aujourd'hui, avec la logique et d'autres. Alors attendez, je loupe tous vos messages, je reviens et ensuite nous allons devoir aborder l'intuition et l'inception. C'est quand même le titre de notre ouvrage. Ouvrage de philosophie directe. Alors, Linda, j'ai souvent lu que lorsque les écrivains étaient en pleine écriture ou l'imagination est à son comble, leurs rêves étaient fades, pauvres comme s'ils épuisaient leur quota d'imagination dans le roman. Non, ça, je crois que ça dépend des gens. Mais donne-moi la référence précise, Linda, mais moi, je ne crois pas. On croit en Dieu, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? On croit en Dieu et plus con car vivre dans l'illusion de quelque chose n'est pas. Bon, argumente moulate, parce que les opinions comme ça, ici c'est une chaîne de philosophie, donc on peut dire tout ce qu'on veut, en étant bienveillant, c'est-à-dire qu'on évite tout ce qui est insulte, et puis en argumentant ses propos. La création est-elle un rêve conscient ? C'est joliment dit, et il y a plein de penseurs qui pensent ça. Bien sûr, le rêve conscient, c'est très intéressant. Dans ma dernière vidéo PhiloZoom sur His House, j'analyse ce concept de pseudonirisme. Qu'est-ce que c'est le pseudonirisme ? C'est l'opposé du rêve lucide. Et c'est important que je vous en dise un mot. Pseudonirisme. C'est-à-dire, je vous le fais rapidement, un de mes néologismes, je pense que vous allez comprendre, c'est pas onirique, c'est pseudonirique. En anglais, on dirait dreamlike. Je vous le mets en anglais parce que là, l'anglais, pour le coup, est plus pertinent. C'est comme un rêve. C'est pas un rêve, mais c'est comme un rêve. Ça a l'apparence du rêve. Voilà, je crois que vous allez mieux comprendre avec l'anglais, même si j'aime beaucoup ce néologisme. Le pseudonirisme, c'est quoi ? Ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc, je récapitule. Le rêve lucide, vous rêvez et vous êtes conscient que vous rêvez quand vous rêvez. Et du coup, deuxième étape, on peut influencer notre rêve à même le rêve. Bon. Le pseudonirisme, vous vivez à l'état de veille et vous avez l'impression que la réalité elle-même est un rêve. Mais vous savez que vous ne rêvez pas. Mais vous avez un grand doute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des moments dans votre existence où vous dites « mais c'est comme dans un rêve ». Cette phrase-là, ça doit vous… Vous devez là maintenant, mais Adèle, Gandalf et les autres, vous devez avoir une vision assez claire de ça. « Ah, c'est comme un rêve ». Et évidemment, je ne donne pas une conclusion trop hâtive, j'ai hâte de lire ce que vous en dites de ça. Avez-vous fait des expériences pseudonirique, dreamlike, vraie question. On demandera à Sandra Aboive si elle a vécu d'ailleurs ça. Rêve lucide, bien sûr, et surtout pseudonirisme. Est-ce que danser, est-ce que créer, parce qu'il y a une question de création, ce mot dans ton message, eh bien, c'est comme dans un rêve. Est-ce que l'acte créateur, lorsqu'on est au plateau et qu'on fait une chorégraphie, par exemple, est-ce que c'est un acte, alors je pourrais parler pour moi, mais ce n'est pas du tout le propos, est-ce qu'on est comme dans un rêve ? Est-ce que c'est pseudonirique ? C'est une vraie question. J'ai reformulé ta question, Simone, tu ne m'en veux pas, mais c'est un peu la question. Le temps et l'espace des rêves, ça interroge. Que dit Kant ? Oh là là, vous allez. Alors, je peux répondre à ces questions-là. Un jour, je ferai une foire aux questions philosophiques où je répondrai à toutes les questions de tous les philosophes avec ma modeste connaissance. Et quand je connaîtrai. C'est pas que je. Enfin, plein de fois, je ne me rappelle plus. Quelqu'un m'a testé sur Twitter hier, sur Whitehead, que j'adore, que j'ai lu, bien sûr, Procès et réalité, un livre capital. Et évidemment, on ne se souvient pas de toutes les théories, mais je pourrais vous orienter sur des pistes. Ça peut être marrant, d'ailleurs, une foire aux questions philosophiques. Voilà. Donc, Kant et le rêve, je peux t'en parler, effectivement. Il a même fait un traité, figure-toi, très proche de ces notions de rêve. Bon, lui, tu sais bien, non, c'est pas sur l'espace et le temps qu'il interroge le rêve fondamentalement, qui sont les deux catégories de l'entendement pour Kant. Mais là, ça va nous, Adèle, tu me pardonnes, ça va nous envoyer encore sur un autre champ. Donc, accorder la pensée et l'œuvre. Je lis tous vos messages en rapide. Et qu'est-ce qui différencie mon rêve de la réalité ? Les mathématiques, c'est une science molle, d'accord ? Le vrai miroir du discours, c'est beau. Le vrai miroir de mon discours, de nos discours et le cours de nos vies. Oui, ça, c'est très beau. Je vais chater. Ah oui, c'est beau. Alors, allez. Je ne vois pas pourquoi le philosophe serait soumis à l'exemplarité. C'est au contraire biaiser ses concepts en s'imposant de les concilier avec la réalité de sa vie. La philosophie, le philosophe doit être libre.
Et le philosophe doit être ce qu'il veut, voilà. Mais en tout cas, sa vie fait partie de son œuvre. Sa vie et ses dires, pas simplement ses écrits, font partie de son œuvre. Voilà. C'est l'origine, c'est la grande spécificité de la philosophie. Ce qui oppose d'ailleurs le sophiste et le philosophe. Le sophiste, lui, voilà, il est dans une, il peut parler et dire la vérité du monde, c'est la beauté, et le lendemain dire la vérité du monde, c'est la laideur. Il peut tout à fait dire ça. Le philosophe a une cohérence qui est une cohérence tellement profonde que ça engage sa vie. C'est pas pour rien que Socrate, dans la philosophie occidentale, est la figure, un des emblèmes du philosophe, parce qu'il est sage dans sa vie, hein, Socrate. Et il va d'ailleurs mourir de philosophie. Il va dire, il va refuser de soumettre sa pensée au jugement de l'État. Il va être condamné à mort. Hein, il va accepter ça. Il va accepter ça en fonction de sa philosophie. Hein, c'est Woody Allen, dans, je ne sais plus quel livre de Woody Allen, très très amusant, où il refait les philosophes et sur le non-sens. Et il réécrit l'apologie de Socrate de Platon. Vous savez, c'est ce moment, c'est un magnifique livre hein, pour entrer en philosophie. Hein, l'apologie de Socrate, un ado de 14 ans peut le lire. Hein. Donc, si vous voulez commencer un livre, plutôt que des vulgarisations qui parlent du philosophe, qui a parlé du philosophe, lisez l'apologie de Socrate. Il questionne le rapport à la mort, le rapport à l'âme, le rapport à la philosophie. Et Woody Allen réécrit dans l'apologie de Socrate de Platon, Socrate, très dignement, dit « c'est ma philosophie, le corps est une prison pour l'âme, mourir, c'est pas grave du tout. » Et tout le monde pleure, et lui, il dit « non, il n'y a pas de problème, passe-moi la ciguë, je la bois. » Sous la plume de Woody Allen, c'est Socrate dit tout ça, hein, il dit exactement tout ça, puis au dernier moment, il prend le verre, là, comme ça, je vous le fais, et il dit « oula, ça a l'air quand même méchant. » Il commence à douter et à remettre en cause sa philosophie. C'est ça qui est drôle, c'est que le philosophe, tout d'un coup, il va comment dire, mettre à distance ses propres écrits. Alors, ses disciples lui disent « mais tu as dit que c'est pas grave de mourir. »« Oh oui, j'ai dit ça, c'est vrai, mais là, franchement, non. » Voilà. C'est à mourir de rire, à mourir de rire. C'est un texte à mourir de rire et très profond, en fait. Hein. J'ai toujours vu Woody Allen, je ne parle pas de ses frasques avec Me Too et compagnie, j'ai toujours vu le travail de Woody Allen comme un travail philosophique. Pour moi, Woody Allen, il a une recherche, c'est un philosophe frustré pour moi. Comme tous les juifs new-yorkais, évidemment. Alors, Blue Jasmine, His House, concept original, mes problèmes dans le rythme et les transitions de plan. Je te renvoie à cette vidéo, cher Blue Jasmine, qui sera bientôt en accès libre pour tout le monde. Alors, je relis tout. Ils sont libres, mais nous sommes tous aussi libres d'avoir le discernement de jauger la pertinence de nos pensées par rapport à leur action. Exactement. C'est-à-dire que, bien sûr, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. On ne va pas dire « Ah, c'est pas bien, Rousseau, t'as abandonné tes gardes. » Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? On s'en fiche complètement. Mais, comment dire, on attend plus d'un philosophe que de simples théories sur le monde. On n'attend pas une exemplarité, on attend une cohérence. Une cohérence entre biographie et œuvre. Et seuls ceux qui n'ont pas compris ce qu'est la philosophie imaginent que ça puisse être découplé. C'est absolument pas découplé. Si on comprend le sens de la philosophie. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez la spécificité de la philosophie. C'est-à-dire cette recherche de bol d'air frais pour aérer la vie et s'aérer la vie, cette recherche de questionnement qui n'en finit pas de questionner, cette recherche de taquinerie, d'ironie, de poil à gratter par rapport aux grandes certitudes de l'opinion, cette recherche de méditation au sens profond, de méditation active, hein, je ne parle pas de la méditation... gymnastique, je parle vraiment d'une méditation sur les objets de pensée, cette recherche de justice. Le philosophe se prononce en matière de justice et c'est pour ça qu'il se prononce toujours politiquement. On sait très bien où un philosophe se situe politiquement. On voit très bien qu'Aristote est beaucoup plus est beaucoup plus à droite et Platon beaucoup plus à gauche. Alors ça se dit pas comme ça. Je vous renvoie un très beau texte d'Emmanuel Berle. C'est un gros livre, hein, mais Emmanuel Berle, le mari de comment elle s'appelait, celle qui avait l'émission dans les années 50, là, le petit conservatoire, Mireille, mari de Mireille, qui est un super philosophe. Voilà, Emmanuel Berle, lui, il a des pages entières où il raconte comment Nietzsche est plutôt de droite et puis Platon plutôt de gauche. C'est à mourir de rire et c'est très, très intéressant. Hein. L'homme de droite va fétichiser la technique et faire attention du coup à ne pas broyer trop les ouvriers quand il est plutôt humaniste. L'homme de gauche va fétichiser les ouvriers et faire attention quand même à la technique. C'est passionnant et ça permet de poser les choses. J'avais eu un débat
avec Arnaud de la Villardière, vous voyez un peu le bonhomme, et il était outré par ce texte que je lisais devant tout le monde en disant « moi, je me recommande de droite et je respecte les gens, c'est pas possible voilà. ». La philosophie, c'est ça, c'est-à-dire à un moment, ça, le philosophe prend une position, puis tout le monde doit se déterminer. Je suis d'accord, pas d'accord, plus ou moins nuancé, ça pousse le débat. Pour ça que certains me disent que j'ai des avis un peu tranchés sur les choses, mais en fait, c'est aussi une façon de faire débat avec vous. Hein, voilà. Puis maintenant, vous me connaissez, vous savez quand j'ai l'œil qui frise et que c'est une position juste voilà, pour rigoler, ou que, quand c'est quelque chose où je suis convaincu, on apprend un peu à se connaître. Dreamlight, je pense faire régulièrement cette expérience sur scène, entre autres. Ah, faut que tu nous racontes, ça m'intéresse, Eva. Que fais-tu? Raconte-nous. J'ai du retard, je le sais, mais je vais vite. Existe-t-il des philosophes qui pratiquent l'humour dans leur œuvre? Bon, bah oui, il y en a plein. Platon est plein d'humour. Nietzsche a un humour vachard, mais un humour. Nietzsche a énormément d'humour. Bon, il y en a plein, plein, plein d'humour. Plein d'humour. J'ai pas des. J'ai pas. Voilà, il faudrait que je prenne la liste des philosophes. Montaigne a de l'humour. Voilà, vous en avez plein, plein, plein. Alors, c'est pas de l'humour, genre des blagues. Il y a des philosophes qui s'essaient à ça aujourd'hui, mais bon, pour moi, c'est pas concluant. Mais oui, bien sûr qu'il y a de l'humour. Moi-même, votre serviteur, j'essaie quand même de mettre de l'humour. En tout cas, l'ironie est fondamentale. Hein, dans la taquinerie, je préfère appeler ça la taquinerie, c'est absolument fondamental. Mais voilà, j'ai pas de retard, ça y est. Cette cohérence entre parole et acte, tout à chacun, exactement. Alors, Eva, t'as dit quoi? Excusez-moi, j'ai loupé quelques messages. Super idée, la foire aux questions, j'ai hâte. D'accord, on va faire ça. Inception. Alors, intuition et inception, on en parlera après Sandra Aboive. Elle va peut-être nourrir notre dichotomie du soir. Voilà, on va l'accueillir. Et on va parler de ça. Mais on a déjà abordé pas mal de choses, réalité, rêve, expérience de pensée, argument du rêve. Voilà, tout ça, ça touche bien sûr l'intuition que nous avons du monde, c'est-à-dire à la fois le mélange d'émotions et le mélange de pensée. Dans le mot intuition, je mets ces deux choses-là. Je ne parle pas de l'intuition au sens empirique du terme, c'est-à-dire des sensations, hein, ou au sens kantien, c'est vraiment un grand mot de Kant, l'intuition sensible, qui est pathologique hein, pour Kant. Voilà. Pour Kant, c'est pathologique de ressentir enfin, intuition. Il appelle pathologique ce qui n'est pas pur, et Kant va fétichiser la pureté. Déjà, moi, j'ai un problème avec ça. Donc, intuition, je l'entends dans un sens un peu spécifique, proche du code Mathcaliné, c'est l'idée que ce que je prends du monde extérieur, que je mets en moi. Et donc, c'est l'activité logobiotique elle-même. Hein. C'est ce que je vais prendre dans mon logobiote, souvenir, pensée, etc. L'inception, vous avez peut-être vu le film avec Leonardo DiCaprio, l'inception, c'est justement cet acte de préhension. L'intuition, c'est peut-être, on va dire, l'état de conscience actuel. Hein, l'état de conscience actuel. Je ressens que je suis sur un fauteuil, je suis là en train de penser à plein de choses avec vous, grâce à vous. Donc ça, c'est mon intuition. Hein, c'est ce que l'on ressent du monde, ici et maintenant. Et on va voir comment dans le rêve, ça peut jouer, ou dans la création, est-ce que ça joue tout ça, l'émotionnel? Écouter ses émotions, on dit souvent, il faut être à l'écoute de ses émotions. C'est en fait être dans l'intuition, avoir de l'intuition. Je crois que vous avez un peu compris ce que j'entends par ce concept. Inception, c'est l'acte de prendre quelque chose dans le monde et de le mettre dans mon logobiote. C'est pas simplement l'intuition, c'est-à-dire la conscience des choses, c'est la profondeur de ma conscience. J'importe un événement qui me bouleverse dans la profondeur logobiotique, c'est-à-dire dans ma mythologie intime. C'est beaucoup plus profond l'inception. Hein, il y a l'idée de pensée, conception, concept, mais c'est in, dedans. Hein, inception, et donc on va créer un verbe qui va peut-être vous faire hurler, mes amis, mais je suis pour qu'on le crée ce soir. Incevoir, qui n'est pas recevoir. Hein, incevoir, eh bien, incevoir, ce n'est pas recevoir. Je reçois le monde dans mon intuition, d'accord ? Mon intuition, c'est ce que je ressens comme données sensibles du monde ou comme idée qui me traverse. Mais j'insois quelque chose du monde, c'est-à-dire qu'il va directement, plus ou moins directement, entrer dans mon logobiote. Et l'inception peut demander du temps, ce n'est pas immédiat. Autant l'intuition, elle est instantanée, c'est ici et maintenant, j'ai l'intuition de quelque chose, d'accord ? J'ai pas une intuition qui va mettre 2 heures à se créer. Quand vous parlez d'intuition, vous parlez de fulgurance, de choses immédiates. Donc j'ai l'intuition de ça. Autant l'inception peut demander parfois des années. C'est-à-dire qu'il y a des événements que j'ai vécus
qui restent dans mon intuition et qui ne veulent pas passer la herse de mon état intime et entrer dans ma psyché, faire partie de ma narration globale, de mon coffre à narration, de mon coffre à jouets narratif, le logobiote. Et donc, l'inception, c'est ce processus qui va filtrer dans mon intuition les choses qui vont faire partie de ma mythologie intime. Et donc, toute la question humaine, c'est pas tellement de recevoir des émotions, ça, on est dans l'intuition, et nous sommes aujourd'hui dans une grande mode de soit dans l'intuition, soit dans l'instant présent. Alors que ce que j'aimerais voir avec vous, c'est la profondeur de l'acte d'incevoir qui est de piocher dans mes intuitions ce qui mérite de faire partie de moi, pas pour toujours, mais en tout cas d'entrer dans mon monde. C'est un peu la différence entre ressentir le plat que je vais manger et puis l'ingérer vraiment et qu'il fasse partie de moi et de mon microbiote. Donc l'intuition, je ne fais que ressentir le goût, je ne fais que ressentir l'odeur, j'ai l'intuition. Et l'inception, c'est tout d'un coup, je vais décomposer ce plat en nutriments et ils vont nourrir mon sang, ils vont nourrir mes organes. Donc l'inception. Donc voilà, à partir de là, je vais présenter Sandra Aboive et puis on va lui dire voilà, notre cordiale salutation. J'ai 3-4 minutes de retard. Je lis juste vos derniers messages pour être à la page. Je vous rappelle un peu l'exercice. Environ 15-20 minutes où Sandra va nous raconter ce qu'elle pense du rêve pour elle, son expérience du rêve en tant qu'artiste, chorégraphe et danseuse. Et puis après, nous aurons des questions. Et ça, c'est à vous de jouer. Donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est ne l'inondez pas tout de suite de questions. Je vais poster bien sûr vos messages. On pourra voir vos messages pendant qu'elle parlera. Elle va rester dans ce qu'elle a à dire. Mais une fois qu'elle aura fini son exposé, son témoignage, eh bien, les questions pourront pleuvoir. Donc, attendez ce moment-là, tout simplement. Je lis vos tout derniers messages pour être un peu à jour. Et ensuite, je vous demanderai voilà, d'accueillir Sandra. Un humoriste n'est-il pas un philosophe au départ? Pas forcément, je connais un poème. Vous discutez entre vous, c'est magnifique, j'adore ça. Intuition sensible via un rêve. Ouais. Ben, le rêve, c'est justement ce qui permet l'inception. Vous comprenez que là, on n'est plus dans uniformité et hétérogénéité, on est dans comment le rêve va piocher dans mon matériel intuitif pour décider que quelque chose mérite d'être insu. Insu, pas reçu, mais insu. Voilà. Ah oui, ça va loin. Mais l'inception est indépendante d'avant. C'est la question, Blue Jasmine. J'aimerais que tu me la reposes si jamais je l'oublie. Voilà, c'est la question. Est-ce qu'on peut décider de son inception? C'est toute la question d'ailleurs du rêve lucide. Si le rêve est le moment où j'insois ce que l'intuition m'a donné, ce que j'ai en mémoire récente, etc., est-ce que dans le rêve lucide, je peux justement décider de plutôt rêver ça que ça? Et c'est toute la question. C'est la profondeur de ma conscience, l'inception. Du coup, l'exception, c'est la platitude. Je lis tous vos messages. Adèle, un se voir comme se donner de la matière à rêver, oui. Alors, c'est pas ça. C'est intuitionner, ça. Ça, c'est intuitionner. Ça, c'est recevoir. Je reçois, donc j'ai de la matière à rêver. Mais l'inception, c'est je rêve et j'en fais quelque chose. Voilà, super. Vous êtes super actifs, j'adore ça. Ça fuse de partout. Allez, mes amis, nous allons accueillir Sandra Aboive. Sandra, donc, est danseuse. Elle peut même un peu plus s'éclairer le visage si elle a une lampe qui traîne. Oui, mais on te voit très bien, Sandra, mais juste un petit ray de lumière. Voilà. Elle est chorégraphe, et elle est confinée comme nous tous. Hein. Et donc, elle a un univers. J'ai mis en description de cette vidéo son site, metatars.com, du nom de sa compagnie Metatars. Vous pouvez, pendant qu'elle nous parle, aller voir des quelques vidéos, aller voir son univers. Ce que j'aime chez Sandra, c'est sa conception très philosophique de son art, tout en étant extrêmement dans le corps. Voilà, ce mélange de corporéité fantasmatique. Elle joue beaucoup sur des états de corps différents. Elle va du côté du monde animal en zoomorphe. Elle va du côté de la machine, essayer de pousser les limites du corps jusqu'à ce que le corps devienne machine. Elle expérimente. Elle a plusieurs scènes. Je vous renvoie donc à À bouche, que veux-tu, un spectacle tout entier sur le bâillement. Voilà, elle étudie le bâillement. Qu'est-ce que c'est bâiller? Vous allez voir que c'est proche de l'inception, bâiller. Elle étudie également, là, dans sa dernière pièce, le parachute. Qu'est-ce que c'est? Voilà, le fait de se jeter dans le vent et tout ce rapport, ça nous fait du bien, ça va nous détendre un peu de ce confinement.
Et également, vous connaissez Sandra aussi parce qu'elle est, voilà, elle se fleurit la tête, elle utilise le matériel floral, végétal, et elle crée des sortes de dryades, de créatures comme ça, où les fleurs sont tressées, et où elle tresse d'ailleurs les fleurs sur les gens. Elle a aussi une œuvre importante, on va parler de ça avec elle, ça s'appelle Danse de parking, c'est 100 numéros, où elle se filmait, bien avant le confinement, hein, elle se filmait dans son parking, un parking qui était son terrain de jeu et d'exploration de danse. Donc ça, vous trouverez ça sur son site aussi, Danse de parking. Et là maintenant, elle danse dans Beson. C'est la ville de Beson, le théâtre voilà, de Beson qui l'a invitée pour 20 vidéos. Il y a un très bel article sur son travail où elle parcourt la ville et elle se filme exactement comme dans Danse de parking, mais dans Beson, donc dans une ville qui n'est peut-être pas spécialement prédisposée au rêve chorégraphique. Sandra, je t'invite. Ah, tu as un masque. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Tu vas bien? Oui, ça va, et vous? T'imagines le cauchemar, c'est vraiment le vidéo live avec le masque, quoi. Oui, ça va. Ah oui, ça va. Pas mal. Belle entrée en matière. J'entends un son, il est pas mal, mais peut-être qu'il peut être mieux. Est-ce que tu peux juste enlever ton casque, peut-être éteindre YouTube et enlever ton casque? Oui. Éteins YouTube. Que... Ah oui, non. Ouais, tu restes sur l'application BeLive et puis tu éteins YouTube, ça marche? Essaye, vois. On va trouver. Petit réglage technique, mes amis, on est en direct. Ça y est. Il faut que tu parles pour que je puisse tester Sandra. Je parle, bonsoir à tous. C'est décalé. Ouais. D'accord. Sandra, je te propose une chose simple. Je te propose une chose très simple. D'éteindre complètement ton ordinateur et de revenir en te reconnectant. C'est un truc que j'aurais dû te préciser. Voilà. Tu reviens tranquillement avec l'appli, ça suffit. Et dans 5 minutes, tu es avec nous. OK? Et tu peux même éteindre ton portable, comme ça, toute la bande passante, voilà. Voilà, juste, on retrouve Sandra. Je vois que ça parle, j'en profite, elle se reconnecte. Hop. Ah, voilà, elle est en double, d'accord. Autant pour moi, elle est en double. Voilà, elle revient dans 3 minutes. Si je me souviens bien du film de Nolan, l'inception n'était possible qu'en dehors du champ de la volonté. Oui, parce que dans le film de Nolan, de Jasmine, c'était vraiment... Alors, moi, j'utilise le concept d'inception, je le développe dans l'ambition, l'épopée de soi. Vous pourrez aller voir, c'est là où je construis ce concept. Nolan l'utilise vraiment comme une astuce de science-fiction. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Je renvoie à ce film. Pour Nolan, l'inception, c'est l'idée fondamentale qui dirige toute une vie. L'idée fixe que nous avons et qui va être une sorte de boussole pour vivre. Évidemment, quand vous arrivez à transformer l'inception de quelqu'un, ou quand, par l'inception plutôt, vous allez explorer ses rêves et lui mettre une nouvelle graine de ce qu'il doit faire dans la vie, de mission de vie, et ben ça change tous ses rapports avec tout le monde, et notamment avec son travail. Voilà, mais ça c'est spécifique à Nolan. Tu nous l'as présenté? Oui, tout à fait. Voilà, elle arrive, hein, ne soyez pas trop frustrés. Elle revient. On peut voir un parallèle entre l'inception et l'abandon, c'est plutôt la non-volonté qui crée le contre-champ nécessaire à la réussite du processus. Alors, la noluntas. Vous savez qu'en latin, il y a un mot pour dire non-volonté, hein, c'est noluntas. Voluntas et noluntas, je trouve ça génial. On pourrait dire la nolonté. Je vous l'écris parce que je trouve ce concept génial. La nolonté, voilà. La volonté de ne pas. La non-volonté de, plutôt. La non-volonté de, la nolonté. Il y a une racine latine tout à fait acceptable, donc c'est un mot qu'on peut prendre avec nous. Alors oui, ou l'abandon, j'ai fait mon mémoire sur l'abandon, phénoménologie de l'abandon, avec Pierre Magnard à Paris 4. Et effectivement, mais dans l'abandon, il y a quelque chose de sacrificiel. Il y a toujours l'idée d'une abnégation. Si on est simplement dans la non-volonté, ce serait une forme de distanciation par rapport à la volonté. De lâcher prise, comme on dit aujourd'hui.
passionnant. On va en parler également, et peut-être avec Sandra qui arrive à nouveau. Voilà, ça a l'air beaucoup mieux. Hop. Oui, Sandra, on t'écoute. Est-ce que tu m'entends? Ça marche très bien. C'est okay, ce qu'il fallait faire. Parfait. Sandra, merci de te prêter un peu à notre expérience onirique. Tu es danseuse, je t'ai présenté, voilà, tu vas pouvoir développer des choses. Tu consacres ta vie à une expérience artistique intéressante de développer la danse et la chorégraphie. C'est très intéressant pour nous, je sais que tu t'as suivi pas mal de numéros, de voir comment tu appréhendes le rêve selon toi, vraiment très personnellement, de façon subjective. Donc, je vais te laisser développer ça et puis quand tu auras fini, on va dialoguer avec les copilotes s'ils ont des questions à te poser, voilà, des interrogations sur ce que tu nous auras dit. Alors moi, déjà, je suis très admirative des gens qui arrivent à faire des rêves lucides parce que je n'ai jamais réussi ça. Et presque découragée par la chose, je n'ai jamais essayé. Mais à un endroit, je n'ai pas essayé parce que je suis pleinement satisfaite de ce qui m'arrive en rêve. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour vraiment me détacher du rêve quand je me réveille. Au point que certains rêves me plongeaient dans des émotions très dures le matin parce que l'expérience émotionnelle avait été tellement grande que je croyais presque à la prémonition de la catastrophe que j'avais rêvée. Moi, il y a un rêve dont je pense que c'est un des premiers rêves dont je me souviens. Ça se passait dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Il y a un escalier qui descendait au sous-sol et donc il y avait des marches en ligne droite et les dernières marches d'escalier tournaient un peu en virage comme ça. Et maintenant je sais que c'était un rêve, mais pendant des dizaines d'années, j'ai cru que c'était vrai. Donc dans mon rêve, comme on saute la dernière marche d'un escalier, je sautais les 6 dernières marches et j'atterrissais bien sûr comme une fleur sur mes pieds. Et j'ai vraiment cru des années que c'était vrai. C'est toujours même rien que d'y penser, je trouve que c'est encore troublant cette chose à quel point ça marque l'expérience onirique. Il y a beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de rêves où je ne savais pas la chorégraphie, où je ne connaissais pas les pas qu'il fallait danser en arrivant sur scène. Et donc, être prise dans ce stress de... Mais comme les comédiens qui rêvent qu'ils ont oublié leur texte. Donc, il y a cette chose-là qui te met en fait en alerte. Et c'est en général, évidemment, en lien avec ce que tu vis, avec l'actualité. Si tu passes sur scène dans 2 jours, il y a de grandes chances pour que tu rêves que tu as oublié, que tu ne sais pas, que tu n'es pas prête. Et ça, je trouve que c'est comme des alertes. Il y a des rêves comme ça qui sont des mises en alerte pour la vie réelle, je veux dire. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de voir comment ça dialogue entre les deux. Après, ce rêve des escaliers, ce premier rêve des escaliers, c'est un rêve de vol, en fait. C'est un petit rêve de vol. Est-ce que vous avez parlé du vol dans les... Non, pas trop. On a parlé du rêve de s'envoler, mais pas trop. Non, vas-y, on t'écoute. Non, parce que... Oui. Je parlais de parachute, Sandra. Faut que tu nous en parles. Je vais afficher 2-3 photos là, de la dernière œuvre. Parce que l'idée du vol en rêve est très bien décrite par Bachelard dans L'eau et les rêves. Et alors, il fait tout un état des lieux de toutes les variations de rêves de vol. Mais ce qu'il décrit, c'est plutôt une chute au ralenti qu'une ascension. Et ça, c'est vachement beau. En général, ça se passe dans une ruelle. Il fait comme ça une synthèse des rêves. Ça se passe dans une ruelle et le sol se dérobe sous les pieds. Et donc, la personne qui,
qui marche ou qui court se retrouve en état de vol. Ou alors c'est une chute qui est ralentie. Bah oui, la parachute, c'est vraiment une histoire de chute au ralenti. Donc je pense que les gens qui font des rêves lucides volent. Et ça, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Mais... C'est quoi un parachute? Tu peux nous en dire deux, trois mots? Alors, le parachute, c'est... Et en quoi c'est proche du rêve ou comment le rêve parachute, se dit? C'est deux rêves. C'est le rêve du vol, le rêve de la nuit, survoler la ville et faire comme ce que j'imagine être un rêve lucide de vol, orienter le corps et qu'il navigue entre les gratte-ciels ou au-dessus de l'océan, je ne sais quoi. Donc c'est le rêve de vol nocturne, onirique, et le rêve de vol réel. C'est-à-dire que c'est énormément inspiré de tous ces... beaucoup d'inventeurs, beaucoup de grands rêveurs qui ont mis au service de leurs rêves et de leurs quêtes énormes, qui ont mis au service de leurs rêves donc toutes leurs techniques. C'est on les appellerait des fous, mais c'est ça qui me touche beaucoup, en fait. C'est la naïveté. La naïveté dans laquelle il se lance dans cette quête. Un exemple, c'est aussi un rapport analogique à la réalité. Il y a du rêve là-dedans, c'est-à-dire, considérons qu'un oiseau vole, si je me charge d'une paire d'ailes avec des plumes, alors je devrais pouvoir voler en tenant compte du ratio poids-taille, de la vitesse du vent, etc., et de la pression atmosphérique. Il y a quelque chose. Regarde ce que j'ai affiché, juste, j'affiche la machine volante. Voilà, ouais. Donc ça, c'est un travail que je fais avec, en fait, Parachute, c'est d'abord une collaboration avec un costumier, Antonin Boyeux-Gélibert. C'était la volonté de partir du costume. Le costume qui, en général, qui arrive un peu à la fin parce qu'on n'a pas vraiment de budget, on n'a pas trop pensé, ou alors il arrive un peu au milieu. Et là, c'était la volonté de dédier une pièce où le costume et le corps vont se concevoir, et la chorégraphie et la dramaturgie vont se concevoir de manière intriquée du début à la fin. Et voilà, bah, cette machine volante, elle dit ce rêve de naïveté, d'un surdéploiement de techniques et d'inventions folles qui puise quand même des sources vérifiées. Et c'est aussi ce par quoi la science a avancé, a expérimenté. Voilà. Tous ces hommes qui se sont lancés avec des machines qui ne tenaient pas la route. Ou qui pour le coup, Sandra, ça, c'est vraiment avoir un rêve. C'est-à-dire que c'est un rêve au sens ambitionnel du terme. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas un rêve nocturne. Là, on est vraiment dans... quelque chose de l'ordre d'une aspiration à parcourir cette troisième dimension. Toi-même, tu as fait un saut en parachute pour ce spectacle. Oui. Et ça, c'était un rêve. C'est quelque chose que tu as réalisé. Ça, c'est quelque chose que je réalise. Oui, oui, oui. Et peut-être que ce rêve de parachute, il est né de ce rêve de ces quatre marches que j'ai volées au ralenti. Mais vas-y. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est... comment la notion de rêve nourrit ta créativité? Il y a une question qui a été très vite posée par les copilotes avant, c'est est-ce que l'état de rêve et l'état de création, c'est identique? Comment tu crées en fait tout ça? Comment tu crées parachute? Raconte-nous, parce qu'on n'est pas habitué à la création chorégraphique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de questions en une, là, mais je vais essayer de... Ouais. J'ai très rarement été, par exemple, moi, inspirée par mes rêves nocturnes. J'ai vu le dernier numéro que tu as, l'avant-dernier numéro que tu as fait avec Johan, le photographe, qui parlait de rêves éveillés, d'état de veille, si je me souviens bien. Et je trouve que c'est un terme qui me parle beaucoup. C'est quelque chose que je pouvais nommer inspiration.
un moment comme ça où tu es en rêverie, où tu as des images qui t'arrivent, où tu as du texte que tu vas poser sur un papier, où on n'est pas dans le rationnel, où on est dans un moment où les éléments flottent autour de toi, où il y a des réminiscences de choses qui te sont arrivées. Et quand tu es pleinement dans un projet, investi intellectuellement aussi, philosophiquement, musicalement, avec toi, tu es le compositeur de Parachute, je le dis, je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu es baigné dans, et le baigné dans cet univers-là, avec les ingrédients que tu brasses, les matières, les idées que tu cherches à formaliser, et l'état de veille, le demi-éveillé, est pour moi un moment que je nomme l'inspiration. Très bien. Et c'est vraiment ce... Donc, plus que le rêve nocturne, c'est vraiment un état calme en dehors. En tout cas, il a des caractéristiques similaires avec le rêve. Il y a un rapport au temps qui échappe. La rêverie éveillée, pour moi, nécessite un rapport au temps un peu élastique, où il n'y a pas de tic-tac de la montre. Et où tu peux naviguer comme ça. Il y a aussi quelque chose qui est le rêve du danseur, au-delà peut-être d'être sur une scène avec 2000 spectateurs en face, qui est un de mes rêves, vraiment, qui fait partie d'un de mes rêves. C'est aussi la manière de se projeter dans le mouvement. Tu peux te rêver en train de danser. Tu te rêves en train de danser avant d'aller en studio. La veille, tu te poses la question, auto-hypnose pour l'interrogation. Peut-être qu'on est proche d'une auto-hypnose, en tout cas d'une mise en état, d'un rapport un peu modifié où tu peux... je ne suis pas du tout une spécialiste de l'hypnose, mais en tout cas, oui, ton propre monde que tu déploies dans un univers clos et dans lequel tu peux naviguer et qui est source d'inspiration, parce que tu as aussi les éléments à l'intérieur de l'espace que tu occupes et que tu habites, dans lesquels tu vas pouvoir piocher, évidemment, une bibliothèque, un carnet. Donc oui, peut-être une auto-hypnose, pourquoi pas. En tout cas, l'idée d'un état un peu modifié et qui n'est pas voué à être efficace. Dans la photo que je viens de poster, c'est tiré de ton spectacle « La bouche, que veux-tu ?» Il est question du bâillement. Là aussi, est-ce que ça donne des choses très spectaculaires au niveau scénique, hein, cette photo avec les bouches qui s'alignent comme ça. Tu étudies des parties du corps, tu étudies la bouche, tu étudies les ailes qu'on n'a pas dans Parachute. T'as un rapport au corps, j'ai parlé d'animalité également, parce que tu as été formé par Cyril Cazmès pour faire l'animal. On l'a d'ailleurs invité dans un philo Covid. Cyril, la connexion était mauvaise, mais c'est spectaculaire. Il nous a fait le sanglier, on s'en souvient. Est-ce que dans le rêve, le corps du rêve, le corps qui est capable de toutes les métamorphoses, toutes les transformations, est-ce que ça voilà, il y a un lien avec ce que... Est-ce que tu proposes des rêves éveillés, en fait, la question? Est-ce qu'à bouche que veux-tu, ça peut être conçu comme une sorte de rêve éveillé? C'est une heure et demie sur le bâillement, une heure et quart sur le bâillement. C'est 50 minutes sur le bâillement. Oui, dire que à bouche que veux-tu et l'expérience d'un rêve éveillé, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire sur cette pièce et qu'on peut faire à toute cette équipe. L'idée, c'est de... À bouche que veux-tu, c'est autant que veut la bouche. C'est-à-dire qu'il y a déjà un rapport au corps qui est déformé, où la bouche est personnifiée. Et avec le bâillement, on est vraiment dans le monde de l'entre-deux. C'est vraiment l'interstice, l'entre-ouvert qui m'a intéressée, mais aussi entre réveil et sommeil, entre l'état de réveil, d'alerte, parce que le bâillement est en fait un réveil du corps. Il y a une revivification par la prise d'air et par l'oxygénation et par la manière dont le mouvement même est contagieux. Donc, tout le groupe se réveille et l'état de veille qui peut aller vers le sommeil. Et d'ailleurs, il y a le moment
le moment juste avant le sommeil est pour moi un moment vachement plus inspirant que les rêves eux-mêmes, où il se passe plein d'aventures, mais... Qu'est-ce que c'est ce moment-là que tu... Pourquoi ? Pourquoi il est inspirant ? Pourquoi il est inspirant ? Parce que moi, j'ai des ritournelles de mots, j'ai comme un ruban infini de mots qui défilent. Parfois, je trouve l'énergie de pouvoir le noter un peu, mais j'ai des défilés de mots, d'images, mais beaucoup de mots. Tu fonctionnes beaucoup par les mots pour créer ? Oui, j'aime beaucoup la poésie des mots et la manière dont on peut plonger dans la musicalité. Pour... En fait, le rapport à la réelle charnière, elle est dans la déformation pour moi. La déformation du corps, la déformation du... l'étirement du temps, c'est ce qui est magnifique dans les vidéos au ralenti, c'est la plongée comme ça dans quelque chose qui est très contemplatif et dans lequel on a le temps de voir tous les détails. Et donc, en étirant le temps dans la danse et en passant à la loupe les transformations, oui, on décolle de la réalité. Dans ce sens-là, on est très proche du rêve. C'est ce qui est très beau dans les vidéos de Bill Viola, par exemple, où tu vois le paysage défiler, où c'est... se transformer petit à petit. Une question d'Alice, Sandra. Dans tes créations, Sandra, est-ce que tu sens ce que tu veux développer et concentres ton énergie à ça, ou au contraire, tu te laisses traverser par les émotions et l'improvisation ? C'est la question sur l'écriture, sur comment tu écris. Est-ce que il y a des... Ouais, c'est intéressant. Improvisation ou une certitude de ce que tu dois développer ? Mais il y a différentes natures d'écriture. Il y a des pièces qui sont très écrites. Si on prend le terme de l'écrivain, à la virgule près, donc au pas près, à la seconde près, et d'autres pièces qui sont plus performatives. Donc il y a des schémas d'improvisation à l'intérieur. Mais l'écriture est un moyen pour moi de pouvoir aussi vivre le moment du passage sur scène comme une vraie bascule. L'improvisation est une bascule. Quand tu dans l'improvisation et que tu passes sur scène, il y a cette bascule évidemment où tu vas dans l'intention, en tout cas sublimer quelque chose. Mais où tu es en train de faire, dans l'improvisation, tu es en train de faire et d'inventer sur le moment. Quand tu danses une partition écrite, tu te glisses dans des chemins qui sont déjà connus, qui sont déjà huilés, et tu peux aussi aller à un autre endroit que dans l'improvisation. Les deux écritures me plaisent beaucoup pour les différences et les complémentarités qu'elles permettent en termes d'expérience au plateau, surtout. L'improvisation permet de jouer avec l'interaction du public. L'improvisation te permet évidemment d'inventer sur le moment. L'écriture, et d'ailleurs, c'est toujours le jeu des termes, mais on peut parler d'écriture quand on parle d'improvisation, parce que l'improvisation n'est pas un mouvement qui se créerait dans le vide. Il y a des paramètres, il y a des règles du jeu, en fait. Voilà, les règles du jeu sont plus ou moins laxes selon qu'une pièce est très écrite ou qu'elle a des parties improvisées, parce que parfois l'improvisation arrive comme des petits modules, comme des petites parenthèses à l'intérieur d'une trame très écrite ou des formes qui sont beaucoup plus... on pourrait dire performative, et où là il y a des motifs, peut-être un vocabulaire qui a été préparé en amont, mais il y a l'idée d'un saut dans le vide. Il y a l'idée d'un saut dans le vide. La place du décor dans la mise en scène de Mons Moon. On passe aux questions, mes amis. Hein, tu voulais peut-être développer quelque chose, Sandra, ou on peut passer aux questions ? Dis-moi.
Non, mais les veilles de première, avant de m'endormir, je me projette. Je pense que les danseurs ont cette grande faculté à rêver leur corps parce qu'ils peuvent se projeter. Projeter dans l'espace, évidemment, mais projeter un mouvement. Et je vais faire ça, je vais faire ça, 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 telle spirale, je vais faire 5 tours. Et le fait de se projeter comme ça donne un horizon au corps dans l'élan, dans l'action, dans la performance. Il y a vraiment cette chose-là pour moi qui est très importante, et aussi le rapport à l'imaginaire, qui est l'imaginaire du corps qui est sollicité en création. Le corps de la danse classique, ce rêve léger décollant du sol et dansant avec les étoiles, n'empêche que si tu plonges le corps dans des expériences et dans un champ lexical de l'aérien, de la légèreté, c'est opératoire. Donc l'imaginaire est aussi un levier des matières de corps, de coordination, de choses qui vont naître dans des expérimentations et après, à partir desquelles tu vas écrire. Il y a une question aussi. On continue la réflexion avec les copilotes qui veulent vraiment poser des questions. Hein, ils sont pas disciplinés. Oui, d'accord. Le décor. Le décor. Avant le décor, je dirais qu'il y a la lumière. La lumière. La différence peut-être entre la danse en extérieur et la danse au plateau. Pour moi, c'est vraiment la lumière. C'est-à-dire qu'en lumière, on peut créer des univers oniriques. On a une machine à fumer, on peut créer des faisceaux, on peut segmenter, fractionner le plateau. Effectivement, la lumière, pour moi, est un des agents oniriques du plateau. Plus que le décor, en tout cas dans mon expérience et dans mes attachements. Ouais. Alors, cette projection physique, les musiciens la connaissent également. Dit Eva. Alors, il y a une visualisation aussi dans la projection physique. C'est vraiment, c'est une visualisation. Tu te vois et donc tu te sens le faire. Et c'est ce qui fait qu'un spectateur peut avoir cette impression que la chose est tellement facile à faire. Parce que le danseur ne montre pas l'effort qu'il déploie. C'est cette histoire d'empathie kinesthésique où tu ressens ce que vit l'autre. Et si l'autre te montre l'effort, tu vas ressentir l'effort. Si l'autre est attaché à une fluidité et une virtuosité, alors tu vas avoir une expérience comme ça par projection, par effet miroir. Et pour moi, ça fait partie de ce que tu essaies de définir dans les contours du rêve, dans les contours peut-être plus que dans le cœur, mais je vais te montrer avant que tout le monde te pose des questions et qu'on essaye d'avancer, je vais te montrer une photo qui va te faire sourire, et je trouve que c'est exactement un rêve. Tu as joué, parce que tu es aussi un peu comédienne, et tu as joué dans un film où il est question d'un rêve. Tu peux nous commenter ça? C'est pas le tableau de Michel-Ange, c'est une image extraite du film de Luc Besson, Lucie, dans lequel je jouais l'Australopithèque, Lucie, découverte par Yves Coppens. Alors là, j'avais un costume vraiment qui recouvrait la peau. Qui recouvrait toute la peau. J'avais pas 1 cm² de peau à l'air libre. Mais là, il y a beaucoup d'artifices dans Lucie de Luc Besson. Ce qui est peut-être plus intéressant avec le rapport au rêve, c'est vraiment la métamorphose du corps et comment le corps peut se déformer. Oui, mais Sandra, je mets cette photo parce que dans le film lui-même, tout d'un coup, le personnage principal incarné par Scarlett Johansson se retrouve dans une sorte d'expérience de rêve. Elle s'appelle Lucie et je ne sais pas ce qui a pris. On se demande vraiment ce que c'est cette séquence. Moi, je ne sais pas comment l'interpréter. En fait, elle voyage. Elle s'en va juste finir. Je demande aux copilotes qui ont vu Lucie de Luc Besson
qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est pas le propos. Et est-ce qu'ils ont compris cette séquence où il y a une sorte de flashback? C'est sûrement pour montrer qu'elle a une sorte d'omniscience et que tous les savoirs sont résumés en elle. Et elle se retrouve au temps préhistorique où elle rencontre son homonyme, Lucie, et que voilà, il y a cette rencontre entre la femme préhistorique et puis la femme réelle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est un gros délire, c'est un gros rêve là qui se paye, Luc Besson. Comment t'as compris ça, toi, qui as dû l'interpréter? Ben, elle fait un voyage dans le temps, en fait. Le fait qu'elle soit sous l'emprise de la drogue, puisqu'elle est mule au départ, et que le sachet est percé, et donc la drogue entre dans son corps, et donc elle voyage dans le temps, et elle remonte jusqu'au dinosaure, et puis après elle revient. Moi, ce que j'en interprète, c'est plutôt une histoire de miroir, Australopithèque, on n'est pas encore dans l'Homo erectus, c'est plutôt un regarde ce que tu vas devenir pour moi qu'un rapport au rêve, mais peut-être comme un souviens-toi ou comme une alerte, le face-à-face homo sapiens avec son ancêtre de milliers d'années. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt, je trouve, l'intérêt, ça n'a pas de sens, mais tout le goût qu'on peut avoir dans la zoomorphie et dans les métamorphoses du corps, c'est dessiner les contours de ce qu'est l'humain, en fait. À partir de quel moment ça devient étrange, à partir de quel moment on sort de la réalité bipède. C'est cette transformation depuis le simple détail qui peut être une déformation ou à une métamorphose qui prend tout le corps et qui se transforme en figure. Comment Luc Besson, qui t'a donc casté, et c'est donc ta main que l'on voit, même s'il y a quand même des prothèses et tout ça, ouais. Comment il t'a parlé de cette séquence? Je suis curieux de ça. C'est une question que je t'ai jamais posée. Comment il t'a présenté cette séquence? Il a dit quoi? C'est un rêve? Elle se tape un trip? Est-ce que tu te souviens comment il a abordé cette scène? Un peu comme je te l'ai décrite, elle fait un voyage dans le temps et elle se retrouve nez à nez avec Lucie, son ancêtre. Vas-y. Ce qui est rigolo, c'est que c'est très logobiotique. Tiens, elle rencontre Lucie, mais en fait, c'est juste le nom qu'on a donné à une Lucie qui ne parlait pas à l'époque. Et donc, c'est juste sur le mot Lucie qu'on a l'impression qu'il surfe sur Internet, quoi. C'est vraiment une rencontre dans la tête de Besson, quelque bout dans sa tête à elle, quoi. Ouais, mais il s'appelle Luc, donc ah oui. je pense qu'il s'est amusé, oui, avec ah oui, Luc. C'est aussi, vrai. Ah, tu vois, ouais, j'avais pas le vu premier ça. Homme, je pense qu'il a cette envergure-là dedans. Oui, je pense qu'il est mégalo comme ça et qui s'inscrit dans les pas de Michel-Ange et de ses découvertes sur le cerveau. C'est aussi un film qui traite de la plasticité du cerveau et si on avait 100% des capacités cérébrales. Oui. C'est un rêve. Alors peut-être que Lucie, c'est un rêve de ça. C'est le rêve du don qui n'est plus soumis au temps et à l'espace. Et d'ailleurs, très vite, il y a du mythe de Babel dans Lucie aussi, elle connaît toutes les langues, il y a ce rêve-là d'universalité peut-être, oui, c'est ce qui est très... Bah, en tout cas, c'est là où moi je m'y retrouve dans la danse, dans le corps, dans quelque chose qui tend vers une universalité, même si les images sont très subjectives, même si les moyens sont très singuliers. L'histoire de se démultiplier là, ou de plus être soumis au temps et à l'espace, il y a une chorégraphe, une performeuse japonaise qui s'appelle Yasuko Kurono. Attends, les images bougent beaucoup. Oui, pardon.
Yasuko Kurono, qui est donc une performeuse japonaise qui a le projet de se démultiplier dans l'espace et dans le temps, et qui pour cela a inventé donc un dress code. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es invité à cette performance et tu vas te déguiser en elle. Donc ça se formalise très simplement. Tout le monde est habillé en robe turquoise, tout le monde a une perruque, tout le monde a des lunettes. Et moi, j'ai eu la joie de découvrir ça par Mieko Campo, qui était une chorégraphe qui nous a quittés il y a très peu de temps, il y a un an et quelques jours à peine, et qui, elle, était en possession du dispositif et qui transmettait ça. Et c'est une histoire de et il y a quelque chose d'onirique qui arrive dans la ville, c'est-à-dire que tu as une espèce de brigade de femmes et d'hommes qui sont tous accoutrés de la même manière et qui vont jouer évidemment sur des gestes du quotidien qui vont détourner de manière un peu clownesque, où tu peux aussi entrevoir à travers ces performances une sorte de violence du groupe. Donc voilà, il y a une sorte de ribambelle comme ça de personnages qui investissent la ville, l'espace public. Et il y a quelque chose qui était très chouette. Je vais lire, ne t'embête pas à lire ce que écrivent les copilotes pour rester concentré. C'est passionnant. Voilà ce que dit Elodie, je te lis. Coucou Sandra, est-ce que tu sens le corps en expansion dans l'espace, corps illimité, les gestes sont-ils auto-guidés dans des postures presque instinctives, un langage corporel symbolique, point d'interrogation. Et puis, j'aimerais que tu commentes aussi, Sandra, dans la foulée, ce que j'affiche là, c'est-à-dire ta nouvelle œuvre urbaine, urbaine sur... voilà. L'expansion, c'est un mot que j'adore, l'expansion du corps, comment le corps prend l'espace, prend l'imaginaire du spectateur aussi, le corps qui n'a pas de limite, en tout cas qui ne se limite pas à la limite qu'est la peau, mais qui va évidemment dépasser et se projeter dans l'espace. Il y a un rapport à l'espace où tu penses que tu ne bouges pas dans l'espace, mais c'est plutôt l'espace qui te bouge. Te met dans un rapport, j'ai pas les mots exacts là, mais le rapport à l'expansion, même l'expansion du corps, l'expansion de la bouche, comme des effets grossissants dans la transformation, oui, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le corps illimité, ben oui, oui, même dans une idée que les corps seraient. Mais pas dans une vision de New Age, hein, mais que les corps sont reliés évidemment par des antennes. Quand tu danses à plusieurs, tu t'en rends bien compte de l'espace entre qui opère. Les gestes sont-ils auto-guidés dans des postures presque instinctives ? Est-ce que tu peux nous commenter, Sandra, donc ce que tu fais à Beson, là, j'en parle. Ah, à Beson, bah, il est question de... Parce que là, on peut te suivre, juste t'es confiné. J'aimerais juste que... Voilà, est-ce que c'est comme un cauchemar pour la danseuse que tu es ? Est-ce que ton rapport au rêve et à la création change ? Et puis, bien que confiné, tu fais cette expérience-là. En quoi c'est des rêves, des rêver la ville ou, voilà, est-ce que le rêve s'invite là aussi dans ce rapport hyper quotidien avec une ville que tu ne connais pas d'ailleurs ? Alors, il y a plein de questions encore. Oui, oui, confiné, il y a plein de choses qui s'annulent. La première de Parachute est censée avoir lieu le 11 décembre. Malgré un grand optimisme, je ne veux pas verser dans l'illusion, donc on est plutôt en train d'organiser peut-être un peu autrement les choses, tout en étant au théâtre, organiser une captation, organiser le finissage de cette pièce, peut-être sans rencontre avec le public à la fin. Et c'est vrai que du coup, Beson,
la ville de Beson qui a le directeur de Sébastien Lab, le directeur du théâtre Paul Éluard de Beson, m'a commandé juste à la fin du confinement une série de vignettes. De vignettes inspirées de la série Danse de parking, donc qui était une vignette vidéo accompagnée d'un texte traduit en anglais. Donc il a commandé 20 vignettes pour Beson, à Boave, Beson, chorégraphie, ça s'appelle. Et donc il me laisse carte blanche, comme ça, fort de cette expérience de danse de parking. Ce qui l'intéressait dans cette commande, c'est un rapport narratif, le rapport à une narration chorégraphique dans un format court. Et donc, c'est mon terrain de jeu du moment, et l'unique terrain de jeu aujourd'hui. Donc, je vais dans la ville, j'arpente la ville, je chine, je cherche, je j'observe beaucoup, je cherche l'endroit dans lequel je vais filmer et je reste en général. Là, la dernière, je suis restée 2 heures sur place, 2-3 heures. Voilà, je prends le temps, surtout que là, c'est vraiment mon seul espace extérieur de création en dehors du studio, mais. En tout cas, voilà, elle est publiée très vite après. Il y a un rapport au spectateur là qui est peut-être le plus immédiat du moment. Et la dernière était, c'était super drôle parce que j'ai marché dans la ville pendant 3 quarts d'heure. J'ai tourné beaucoup et puis j'ai vu que le stade était ouvert et évidemment pas au public. Donc j'ai croisé le gardien. Et j'ai pris place dans les gradins et c'est l'enjeu là, c'est de rêver la ville. Si on file cette métaphore, c'est vraiment ça, c'est d'aller dans le quotidien d'une ville qui est arpentée par ses habitants et d'y insuffler des choses, peut-être de s'inspirer de ce qui s'est passé, de ce qui se passera jamais. Donc le rapport au rêve dans il y a une histoire de fiction quand même avec cette histoire d'épisode oui, c'est une série où on suit un personnage. Alors le personnage, c'est moi qui suis moi et pas moi. C'est ça que j'adore dans la danse aussi, c'est que c'est moi mais c'est pas moi, ou c'est vraiment moi mais dans un rapport pareil, très infini, au gré des questions d'Eva. Sandra, réalises-tu seule ces vignettes, Beson chorégraphie, ou as-tu une équipe qui t'accompagne ? Non, j'y vais toute seule avec mon téléphone et mon pied d'appareil photo. Donc, je suis vraiment toute seule. D'autres questions, Sandra ? Je te demanderai de répondre du tac au tac parce qu'on a dépassé un peu l'horaire. Adèle, la dilatation, c'est plutôt une ouverture qui laisse passer. L'expansion, c'est un parachute qui prend l'air et permet de voir plus loin dans l'horizon. Je te laisse rebondir, je t'en lis quelques-unes. Alice, on est bien sûr que ça ne se prononce pas Beson. J'ai sincèrement pensé que le choix de la ville était un clin d'œil, l'espoir d'un retour de la joie et de la convivialité. Quelle coquine. Où ces vignettes sont. Il y a une candidate au municipal dont le slogan était. Parce que la ville s'appelle Beson, on est vraiment clair sur la prononciation, c'est Beson. Mais ça va te faire rire du coup, Alice, qui donc a pondu un slogan qui était « Beson de toutes nos forces ». D'accord. Donc, le confinement monte au cerveau de tout le monde. Non, je crois que c'était avant le confinement. Même. Ah ouais. Où ces vignettes seront-elles projetées, demande Eva. Alors, elles sont déjà projetées tous les 10, 20 et 30 du mois. Ça a commencé en septembre. Là, on a le 10 dernier, donc il y a 3 jours, c'était le septième épisode. Et c'est publié sur la page Facebook du TPE, Théâtre Paul Éluard de Beson, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, donc sur leur compte et sur mon compte, et sur YouTube et tout ça.
Question d'Élodie. Quel est l'univers onirique le plus passionnant pour toi pour exprimer ton art? L'univers onirique. L'univers onirique, peut-être que ça passerait... Il y a une chanteuse comme... Comment comme... Tu aimes la chanson, il y a une chanteuse que tu adores, peut-être que c'est ça. L'univers onirique le plus passionnant, si je comprends, enfin je vais le comprendre comme je le comprends, de trancher sur ma compréhension. Ce dialogue, serait... hein, elle va répondre, t'inquiète pas. Ouais, d'accord, super. Ce serait quelque chose qui passe par le cauchemar, qui passe par des visions d'horreur. J'aime beaucoup le cauchemar et le... l'horreur et le ce qui peut être décontenançant, l'absurde, l'univers onirique de l'absurde me plaît, le symbolisme, le surréalisme plaît aussi. Je ne sais pas si je réponds vraiment à cette question. As-tu rêvé des fleurs, demande Smoon, et je renvoie à ton dernier, je ne sais pas si c'est un spectacle ou voilà. Alors, Memento Flori, souviens-toi que tu vas fleurir. Et voilà, est-ce que t'as... Alors c'est drôle parce que Memento Flori, je rêve pas de fleurs. Par contre, plusieurs matins, je me suis réveillée en ayant résolu des énigmes. Mais mon problème, c'est que je ne sais pas quelle énigme j'ai résolue. Je me réveille avec, à partir de cette Memento Flori-là, je me réveille avec une sensation d'évidence sur quelque chose que j'ai résolu en rêve, mais je l'ai oublié. Donc j'en rêve, je n'ai aucune image de ces rêves ou aucun souvenir de ces rêves, si ce n'est la grande satisfaction à mon réveil, donc ça c'est quand même réel, c'est quand même palpable, une grande sensation de satisfaction d'avoir résolu quelque chose qui m'amène à une grande simplicité. Voilà, par rapport à une énigme. Super, Sandra. tu deviens pas un peu barge comme nous tous lors du confinement, toi qui... Si, ouais. Mais je déprime moins que pendant le premier, je pense. Ouais. Déjà parce qu'il y a les vidéos à Beson qui me tiennent, il y a la création de parachutes qui, même si elle ne va pas se faire, les annulations, c'est toujours un truc, tu as vraiment envie de pleurer, d'ailleurs tu pleures. Je pense qu'on a tous pleuré là, le mercredi. Dans 2 jours, on va accueillir pour le laboratoire d'idées une grande cantatrice, Béatrice Uria Monzon. Et pareil, ses dates à l'opéra sont toutes annulées. Enfin, on a plein d'amis comme ça qui sont touchés. On a l'impression, ça sera ma dernière question, on a l'impression d'un cauchemar un peu éveillé. Il y a quelque chose d'onirique dans la séquence Covid-confinement qu'on vit en France. Il y a quelque chose peut-être de pseudo-onirique. On croit que c'est un rêve et en fait, c'est la réalité, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire parce que tout est annulé, mais on bosse 2 fois plus. On bosse à faire des reports, oui. Des machins, des trucs, l'administration, les budgets. Tu reportes les billets de train et tout, et donc on est dans une espèce de paradoxalement de frénésie à régler les trucs. Les programmateurs ils jonglent sur 2021-2022. Tu vois, ça commence à se bousculer au portillon là. Ouais, il y a un truc un peu cauchemardesque. Après, je doute pas qu'il est en train de s'inventer des choses, qu'on va inventer des choses. Après, l'horizon, c'est quand même que l'expérience vivante ait lieu, quoi, parce que c'est super les captations sur ordi ou même sur grand écran pour ceux qui ont des grands écrans. C'est très beau de voir une pièce de théâtre et c'est génial parce que ça permet à des gens qui, même dans la ville elle-même, ne l'auraient pas vue. Donc, mais vraiment, il ne faut pas se faire à l'idée que ça remplace quoi que ce soit, quoi. Faut faire un peu gaffe à ça, parce que ça remplacera jamais ce qui se passe et le monde dans lequel tu es plongé quand tu es dans une salle de spectacle, où tu as du son qui t'arrive derrière. Voilà, tu es dans un bain, tu es dans un monde. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, et ça sera vraiment la dernière. Comment tu vis ce qui se passe au niveau de la culture et au niveau de la politique aujourd'hui, cette gestion de crise? Tu n'es pas satisfaite, on dirait.
Attends, j'inspire. Comment danser dans 20 mètres carrés? Oh, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Oh, ça se fait. Ah, pardon, j'ai un problème. Je suis au miroir. Ça se fait danser dans 20 mètres carrés. Oh, t'as la question, t'es forte, Sandra. Tu l'as tapé ma question. On voit qu'à chaque fois, le gouvernement ne parle ni de théâtre, ni de danse, ni de quoi que ce soit. Là, c'est volontaire. Là, c'est très volontaire. Son intervention le 28 octobre. Pardon. Voilà, ça, c'est des dates de report avec la Suède. Cool, je vais repartir en Suède. Oui, je suis contente. La Suède gère mieux quand même que nous. Hein, voilà. Non, c'est un brouillamini terrible. Je pense que c'est vraiment volontaire de ne pas avoir prononcé le mot culture, ni musée, ni théâtre, ni cinéma, ni tout ça. Je pense qu'il aurait pu. Ça ne coûtait pas grand-chose. Ça aurait permis... une caresse sur le front, c'est un grand mot quand même. Mais ça aurait permis un petit clin d'œil. Bon, c'est très compliqué. J'ai rien de beau à dire, en tout cas. Donc, Bah, en tout cas, merci de nous avoir réservé la beauté de ton âme, Sandra, sur cette question du rêve et de la danse. C'est très nourrissant, très enrichissant. Voilà, il y a une quête, il y a une quête d'expressivité qui est super belle à entendre et intéressante. Et surtout, je pourrais dire quand même ça, que la scène, peut-être même pour moi encore plus que des performances à l'extérieur, la scène par le cocon, justement par l'atmosphère qu'elle crée, l'onirisme dont elle peut être le levier, permet de se réaliser au-delà. Il y a vraiment, je rebondis sur encore l'histoire d'expansion, et vraiment, en tout cas pour moi, le corps trouve son expansion à cet endroit-là comme un endroit de liberté. Peut-être que c'est ce dont on rêve, les rêves de vol sont peut-être les rêves lucides. Pourquoi rêver lucidement? C'est être libre dans le rêve, c'est maîtriser, non? Je ne connais pas, moi, je n'ai pas cette expérience, mais c'est jongler avec les ingrédients. Attends, j'ai noté un truc que j'adorais là tout à l'heure. Le rêve transforme l'ordre en chaos et le chaos en ordre. Mais, oui. Mais c'est le travail du créateur de recomposer, réagencer les éléments entre eux. Ce qui fait ordre et chaos, c'est l'agencement, le rapport à quelque chose qui est tangible, dont on a une référence dans l'expérience ou qui twist ou qui tord. Non, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Écoute, en tout cas, on a beaucoup aimé ce que tu as dit. Eva dit « Merci Sandra, tu m'as donné quelques mots ce soir comme expansion auquel j'ai envie de réfléchir. » Et puis, on a Adèle qui te dit « L'âme végétative, je m'entends en écho, l'âme végétative, végétale, des fleurs, c'est celle qui manque le plus de mouvement de fête, sauf son parfum, ce qui ressemble le plus à un rêve, un parfum. » C'est pas mal de comparer le rêve au parfum. Végétative, végétale, les fleurs, c'est celle qui manque le plus. Le mouvement, il y a des magnifiques vidéos d'éclosion de fleurs qu'il faut voir. C'est des feux d'artifice végétaux. Merci Sandra, c'était un super moment. Merci à toi d'avoir participé au laboratoire du rêve avec nous. Et puis, bonne Suède alors, c'est ça? Oh non, pas tout de suite, là. On est peut-être en 21-22, là. On a une propension à se projeter très, très grande, là. On va suivre ton travail et on va suivre Beson, puisque c'est ta soupape, là. On va se déconfiner à Beson à travers tes vidéos. Merci, Sandra. Merci à toi. À bientôt. Voilà, mes amis, c'était le laboratoire du rêve avec Sandra Aboive. Voilà, ça vous a peut-être fait du bien. Je sens vos messages là. Dorine qui dit merci Sandra, ce que tu fais me rappelle à la vie. C'est très bien dit, Dorine. Oui, ça ouvre les chakras, comme on dit. Voilà, merci mes amis pour la pertinence de vos réflexions.
On a eu un bol d'air et de fleurs. Voilà, j'en perds un peu mon latin. Mais je crois que... Alors, petit débriefing, on se donne 5 minutes et puis on va raccrocher, mes amis. Il est déjà 10h01. Donc, donnons-nous 5 minutes pour un petit débriefing. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce qu'a dit Sandra? Qu'est-ce que vous retenez? Voilà, il y a cette... on voit bien, en tout cas, moi, ce qui m'a plu, je réponds à la question, mais j'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce qu'elle dit, c'est qu'on voit justement le travail d'inception et non pas simplement d'intuition. Vous étiez nombreux à la questionner sur l'improvisation, l'instinct, Elodie, voilà, tout est instinctif ou pas. Et on sent bien qu'il y a un immense travail d'inception, c'est-à-dire de tirer de l'intuition des choses qui vont vraiment nourrir en profondeur. Il y a ce travail d'imprégnation. Il ne suffit pas de ressentir les choses dans l'acte créateur. Il faut en faire quelque chose des choses que l'on ressent. Et ça, c'est le travail de l'inception. Il ne suffit pas de recevoir, il faut incevoir. Il ne suffit pas de vibrer dans une improvisation palpitante avec le présent. Il faut l'inscrire dans une écriture, finalement, on pourrait dire, écriture au sens artistique du terme. Voilà, du coup, on aurait pu questionner aussi Sandra sur la notion de performance ou performance impossible. J'ai beaucoup aimé également de Sandra, mais j'attends vos commentaires, tout ce qu'elle a dit sur la scène réelle qui n'est pas l'écran, qui n'est pas... Alors, vous êtes dans vos questions, je vous vois, hein, dans vos questions de 2 mètres carrés, est-ce qu'on peut danser dans 2 mètres carrés, etc. Oui, Sandra a même cité Mieko Campo, une amie commune, chorégraphe, voilà, que l'on a perdue. Aller voir aussi son travail. Mieko Campo avait fait une petite série bien avant que tout le monde joue avec Skype et avec Zoom lors du confinement, bien avant. Hein. Une série, elle appelait ça Hair Dance, la danse des cheveux, et elle dansait sur Skype. C'est-à-dire que c'est même pas 2 mètres carrés, c'est 1 mètre carré. Et elle faisait des danses juste avec ses cheveux, ses yeux, son regard sur Skype, mes amis. Donc, voilà, vous avez... avec Mieko Campo, et un de ses spectacles se passe autour d'un piano où elle reste complètement collée au piano, et c'est juste une danse où elle joue des notes de piano, c'est extraordinaire, c'est une artiste immense qui nous a quittés, trop peu saluée par, je pense, le monde de la danse l'a saluée, mais par le monde de la culture, voilà, ça fait partie des artistes qui aident un peuple à incevoir, parce que, et je finirai là-dessus, l'inception, c'est pas qu'une affaire personnelle, on inçoit à plusieurs. Hein. On reçoit les choses à plusieurs. Quand un événement frappe un pays ou un groupe ou une communauté, eh bien, c'est toute la communauté qui est éprouvée. Mais cette digestion des événements, cette digestion de ce que l'on reçoit, cette digestion de l'intuition, eh bien, c'est une inception et ça peut se faire tout seul dans son coin, mais ça peut se faire à plusieurs. Et je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas besoin de digérer à plusieurs ce qui nous arrive? Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire dans nos exercices de philo live sur cette chaîne YouTube à laquelle, bien sûr, vous allez vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez appuyer sur la cloche et vous allez même devenir membre. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait, mes amis, d'essayer de digérer à plusieurs ce qui nous arrive ou les questions du temps? Voilà. L'inception à plusieurs, ça sera un thème qu'il faudra explorer dans le laboratoire du rêve. Dans les prochains épisodes du laboratoire du rêve, nous allons être en terre inconnue. Parce que là, nous avons suivi les 9 dimensions du système Matkaliné, du code Matkaliné. Mais là, il n'y a plus de dimension 10 et nous allons entrer dans la lettre J. Et je vous laisse bien sûr deviner, là maintenant, quels seront les 2 mots qui commencent par J et qui feront notre épisode de vendredi prochain. Ton double danse derrière toi dans le miroir, Vincent, tu as ton expansion d'espace. Oui, j'aime bien ce plan. C'est un plan que j'ai travaillé, mes amis, pour vous. Je vois le délire de mes messages. Oui, Paris, des fois, tu délires, mais ce n'est pas grave. Il y a 2 dislikes, ce n'est pas grave. Tant que vous compensez en like, ça va. Non, je plaisante. Beaucoup de délicatesse et la passion d'un corps expressif et de mots vivants, dit Alice sur Sandra. Rien ne se crée, tout se transforme, le mot de Lavoisier dit par Smaun. Je danse dans ma tête, Paris, ok.
Voilà, mes amis. J'ai pas eu votre feedback à part Alice et deux, trois autres. Il y a peu de feedback sur Sandra. Voilà. Qu'est-ce que vous en retenez? C'est important parce que là, en vous posant cette question, je vous demande qu'est-ce que vous en incevez? Vous avez reçu, vous avez eu l'intuition, vous avez discuté, mais qu'est-ce que vous allez en garder sous-entendu dans votre logobiote comme questionnement et comme... voilà. Voilà. Donc, cette question se pose. Cette semaine que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez incevoir? À quel moment vous allez dépasser la simple intuition du moment pour incorporer des parties de votre réalité à vos profondeurs? Et vous savez bien que ce que je définis comme exhilaration, qui est pour moi le comble du bonheur, l'exhilaration, c'est justement une inception qui ne passerait pas par le rêve. L'exhilaration, c'est vivre sa vie comme un rêve, c'est du pseudonérisme pur, à l'état pur. Et sauf que ce pseudonérisme nous donne, c'est pas un pseudonérisme cauchemardesque comme on a dans His House, je vous renvoie donc à ce film Zoom, où là le cauchemar s'invite dans la vraie vie, on dit non, c'est la vraie vie mais je cauchemarde à même l'état de veille. Et bien dans l'exhilaration, je rêve de choses très belles, à même la vie, pas à même le rêve. Je suis dans la vie. Et j'ai l'impression que ma vie devient un rêve, la vie de rêve. Hein. La vie de rêve qui n'est pas la vie luxueuse, voilà, où on va faire des dépenses luxueuses et vivre un train de vie astronomique, mais on va véritablement être dans, comme si c'était un rêve, tellement la vie voilà, nous semble une évidence que l'on peut digérer à même la vie, à même le vécu, sans passer par l'étape de l'inception par le rêve. Et donc, il y aurait deux modes d'inception. L'inception par le rêve, je vis des choses et je les inçois en rêvant, elles font partie de mon logobiote, et l'inception à même la vie. Est-ce que le plus haut degré de la sagesse et de la philosophie, ce n'est pas d'incevoir sans passer par le rêve, juste en vivant. Vivre et incevoir sans même passer par l'étape du rêve. Ce que j'ai le plus aimé, dit Dorine, dans ce qu'a dit Sandra, c'est quand elle parlait de l'immersion de l'atmosphère dans laquelle on est baigné. Ouais, jeu et jeu, bien joué, Elodie, très bon. On ne l'a pas vraiment vu danser. Il y a plein de vidéos sur YouTube et sur son site. Allez voir le site metatars.com en description de cette vidéo. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. C'était un beau voyage. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un beau voyage. Moi, j'essaie de travailler sur l'auto-hypnose et je trouve qu'elle a bien parlé du corps qui bouge au sein d'un espace intéressant. J'aime beaucoup la vision de Sandra sur l'espace entre et la connexion. Non, ce n'est pas... joli. Plutôt que de faire évoluer les décors et être passif et récepteur. Pas mal aussi l'idée de la lumière. Allez voir deux, trois vidéos de ce qu'elle fait. Vous allez voir le travail sur la lumière. C'est très, très intéressant. Et c'est vrai que ça met du pseudonérisme. C'est vrai que Dans le pseudo-linéarisme, parfois, c'est une question de luminosité. Il suffit que la luminosité du monde change, des atmosphères épaisses, des volutes de fumée, et la musique aussi, pour qu'on ait l'impression d'être dans un rêve. Parce que, voilà, dans l'art vivant, il y a le risque, la faute, la chute. Sandra a parlé de basculer. Elle a mentionné le vidéaste Bill Viola, dont j'avais vu l'expo en 2014, un bonheur pseudo-linéarique. Je crois que vous allez faire de ce mot votre mot de la semaine. J'en suis ravi. Voilà, mes amis, c'était un bon moment. Prochain rendez-vous, donc dimanche, nous aurons une immense cantatrice internationale, Béatrice Uria Monson. Allez aussi l'écouter. Et elle va nous parler de chercher sa voix, V-O-I-X. Voilà, nous fera-t-elle chanter en live? Je l'ignore, mais ça nous ferait du bien. Voilà, mes amis, portez-vous bien, vous savez tout ce qu'il faut faire, ouais, comme si c'était l'ambiance, comme si l'ambiance nous rendait poreux. Ouais, très beau, Dorine, j'aime beaucoup. Vous savez tout ce qu'il faut faire, partagez la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, J comme joie, je retiens Eva. N'hésitez pas à la commenter après le live, une fois qu'elle est bien en ligne. Chaque commentaire fait avancer la chaîne et le but est d'avancer, vous avez vu, on a beaucoup avancé. Voilà, il y a plein de vidéos qui vous attendent, des nouveautés spéciales réservées aux membres ou pas, hein,
Voilà, donc n'hésitez pas à commenter tout ça. Je vois que vous êtes très actifs. Il y a des débats, notamment sur le dernier Philozoom sur Didier Raoult. Il y a beaucoup de débats, plus de 300 commentaires. J'ai même pas pu tout lire. N'hésitez pas à vous immiscer là-dedans, à dire ce que vous en pensez. Voilà, on critique cette vidéo comme étant à charge. Je le conçois un peu. Voilà, je progresse avec vous grâce à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, c'est important pour moi. Je vous dis donc à dimanche 20h20. Voilà, et d'ici là, bah, faites de très, très beaux rêves. Voilà, et ayez de très belles inceptions. À bientôt, les amis.